J'arrive, j'arrive. Je vais un peu mon tour ici. Hop là. Eh bien, bien le bonsoir tout le monde. Comment est-ce que ça va en, ce, en cette fin de semaine et en ce début de week-end Pascal Je sais, tu ne t'appelles pas Pascal, mais je t'appelle quand même Pascal ce week-end. Bonsoir, bonsoir notamment. Bonsoir à Alain. Bonsoir à Hurricane, à Nidouille. Bonsoir à Nidouille, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à Erogus. Bonsoir à Choriou. Euh, Tiens, c'est trouvé la partie attendue là. Ouais, quand même pas. C'est juste que maintenant comme je lance sur plusieurs endroits, bah j'ai pas trop le choix. Oula, ça l'arsène. Comme je lance le live sur plusieurs endroits, il me faut le temps de, de démarrer partout. Et, euh, et donc du coup, bah voilà. Du coup, voilà. Bonsoir euh, Bonsoir LE logique euh, Un jour il faut que je m'attaque à la refonte de ma chaîne Twitch. C'est sans arrêt, hein, c'est sans arrêt. Tu, quand tu as fait le tour, il faut que tu refasses un truc. Toujours comme ça. Bonsoir également à Amhack, bonsoir à Sierra Charlie, euh, bonsoir à euh, Louis, à Yanux, à Wisplash Game. Euh, sur les rotules, je suis bien sur les rotules aussi. Bonsoir à Denis, bonsoir à Astrotoff, euh, bonsoir à Mikamak Mikama TV. Pas la peine de m'appeler maître, mais. Mais bonsoir. Bonsoir à Kitter Sosé. Et Auguste qui dit Tout roule, on va pouvoir profiter du, du week-end. Aucun XSZ d'Apatier. Voilà. Il y en a qui dit J'adore tes lives, tellement passionnant et passionné. Je comprends pas tout, mais j'adore. Bah écoute, merci beaucoup. Merci, merci à toi. Grosse semaine ici. Grosse, grosse semaine. Pff, là, je suis en train de, de faire un truc. En fait, euh, on va commencer le live pour ceux qui sont là pour la première fois. j'ai n'ai pas le, le, le décompte qui est là. Mais il y a une page de pub qui a lieu à peu près au bout de 10 minutes du début du live. Après la page de pub, je commence le sujet. On va parler de XZ. On va, on va avoir du, du boulot de, de ce côté-là. En attendant, bah, c'est la petite introduction. Bonsoir, notamment à 0x5642 à Nemento. Euh, et dans cette petite introduction, de quoi on parle, bah, on dit bonjour. Et puis, bah, on... je dis ce que j'ai fait un petit peu pendant la semaine quand j'ai fait des trucs intéressants, quand des trucs que j'ai envie de partager. Euh, et là, moi, cette semaine, c'était une semaine à travailler de la maison. Je n'ai pas autant avancé que je voudrais, mais ça va. Non plus, c'est pas non plus la cata, euh, et puis aussi, c'est une semaine même s'il n'a pas fait super beau. C'est la seule semaine que j'ai avant le 1er mai qui me permette de m'occuper de mon jardin. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai taillé la haie depuis trois jours. Euh, je n'en peux plus de tailler ma haie de laurier, et j'ai pas tout à fait fini de la haie sur la rue, mais euh, j'ai bien avancé quand même. Mais je suis KO. J'ai regardé, je dois être à euh, Huit ou neuf mille pas en plus de faire l'acrobate sur mon échafaudage. Vivement ce soir qu'on se couche. Bonsoir également à Blogmotion, à Little Dave. Bonsoir à Jean Bleu, à Le Popeye. Quelqu'un qui vivement mardi que le RSAC nous demande un état des lieux du bordel en nous demandant de fouiller chaque coin de l'infra. Par contre, les 2008 non patchés, sans firewall, sans antivirus, ça passe large. Oui, mais ça c'est... le la vie du, 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 du RSSI. Bonsoir à Patrick et Auguste, si, 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 si c'est le même RSSI dans les deux endroits. Bonsoir à Crypto Clubber. Alors, voilà, en tout cas, j'espère que votre, votre semaine s'est bien passée, vous de votre côté. Euh, et, puis, euh, et puis là, on attaque, on attaque le week-end Pascal avec, euh, avec une grosse. Faille. Euh, on va essayer de réfléchir un petit peu euh, à ce qu'il faut voir, à ce qu'il faut faire. Euh, ne pas paniquer déjà. On va commencer par là, mais il y a du boulot. Euh, et il va falloir qu'on s'intéresse à qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on va regarder soir. Qu ce soir. Qu'est-ce qu'on doit faire C'est quoi cette faille D'où elle vient Est-ce qu'on a plus d'infos Ça ne touche pas que XZ. Ça va faire mal. Enfin, ça touche pas que. Ça touche plein d'endroits. Euh, donc ils doivent. Disons que oui ça. La backdoor qui arrive sur les 4 jours de maintenance du CEPA. Aussi. Alors, je parlerai un petit peu de ça aussi. C'est interdit aussi à partir du 1er avril où tu es yorzian pour tailler les haies, pour protéger les nids des autres animaux. Alors, euh, le Popeye, c'est interdit pour les agriculteurs. Euh, c'est interdit pour les agriculteurs. Après, il faut faire attention. Moi, j'ai pas pu le faire avant parce qu'avant, bah, il gelait. Euh, il faisait froid, il ne faisait pas beau. Donc. Euh... Je crois que c'est une coïncidence, Nidouille. Je crois que c'est une coïncidence parce qu'apparemment, elle est là depuis un petit moment. Euh... Alors, le week-end Pascal, il va se passer des trucs intéressants au niveau du, du week-end Pascal. Euh... Non, Hérogues, ça ne touche pas à The Bien Stable. Tu, tu es tranquille de ce côté-là, ça ne touche pas à The Bien Stable. Euh, petite remarque. Le week-end Pascal, c'est un grand week-end de, de, avec euh, notamment un jour férié le lundi. Donc, c'est un grand week-end. Et du coup. C'est un week-end pour plusieurs raisons euh, dans le, dans le, pendant lesquelles c'est approprié qu'il y ait des attaques informatiques. Pourquoi Ben notamment il y a la première chose attaques informatiques, des attaques des arnaques etc. La première chose c'est que il y a le système qui permet d'effectuer des virements de banque à banque. Ah ah t'as décidé de tomber en panne toi Ouais je sais qu'il y a un faux contact chez elle mais Euh... Il faut que je la change cette lampe. Euh... Le système qui permet de, de, faire, de faire des virements fait une opération de maintenance pendant 4 jours tous les ans pendant le week-end Pascal. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que bah, à partir de là, maintenant, là, depuis maintenant jusqu'à mardi, les virements interbancaires, sauf si ce sont certains types de virements, de virements instantanés, ces virements-là vont être en attente, ils vont être suspendus. Donc, du coup, c'est le bon moment. Pour faire croire des choses. Voilà. C'est le bon moment pour faire croire aux gens que le virement n'est pas passé, qu'il faut le refaire, etc. etc. Euh, donc, euh, voilà. Il faut faire attention. Il y, a des, il y a des périodes comme ça qui sont propices à, euh, à des attaques. Tu parles d'attaque et paf. Non, non, mais cette lampe-là, c'est la lampe qui est là, la lumière qui est là. C'est la toute première lumière que j'ai achetée quand j'ai fait des streams. La toute toute première lumière. Donc elle est là depuis un moment. J'ai changé deux fois le condensateur qu'il y a dedans. Euh, il y a encore un faux contact dedans. Bon, allez. Il est... faudrait que je la change. Une lumière à pas très cher. Hein. Bonsoir le Viking. Bonsoir Alain F4LBG. Euh, as suivi une attaque au moment où les, 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 les Russes m'écoutent. Bonsoir à Fredopix. Bonsoir à euh, le vilain Coco. C'était une cyberattaque du réseau automatique d'éclairage, c'est ça. Depuis hier soir même. Oui, je crois que c'est ça, c'est le vendredi, samedi, dimanche, lundi, où tout est coupé, il n'y a pas de virements qui ont lieu. Euh, oui, après, ah oui, c'est global à toutes les banques, une fois par an. Ouais, c'est... En fait, c'est global, c'est pas les banques, c'est le système de communication des virements interbancaires, d'après ce que j'ai compris. C'est pas mon métier, hein, mais euh, d'après ce que j'ai compris. Alors, comme le dit Blogmotion, les virements instantanés continuent de fonctionner, il me semble. Mais souvent limité sur le montant. Alors attention, dans les virements instantanés, il y a deux types de virements instantanés. Ah, c'est un bordel ce truc. Il y a les vrais virements instantanés. Eux, ils continuent de fonctionner parce que les virements instantanés ne passent pas par ce mécanisme de, de, de communication. En gros, si j'ai bien compris ce que j'ai lu, quand on fait un virement, euh, la banque, elle enregistre le virement, et elle attend dans la journée d'avoir la somme de tous ses virements, et elle envoie ça dans une chambre de compensation ou dans un organisme qui va s'occuper de traiter les virements entre les différentes banques. Voilà. Comme ça, si tu fais un virement d'une banque euh, X à la même banque X, ça ne passe pas par ce truc-là. Et donc, il y a des vérifications qui sont faites pour échanger le moins d'argent possible en fait, entre les différentes banques. Parce qu'il y a des choses qui vont se compenser. Si jamais euh, une banque A fait un virement de 500 000 euros à euh, la banque B, j'ai ici au niveau de la banque, hein, donc c'est la somme de tous les virements. Donc tous les virements de la banque A au, euh, au profit de la banque B, il y en a pour 500 000 euros dans un sens et il y en a pour euh, 490 000 euros dans l'autre sens. Et finalement, ils ne font qu'un virement de 10 000 euros à proprement parler. Donc pour ça, ils regroupent tous les trucs. Et c'est cet organisme-là qui est entre les banques, qui est en maintenance. Quand on va faire un virement instantané, le virement instantané, il y en a deux types. Le type du vrai virement instantané, c'est que la banque A vire les sous sur le compte bancaire de la banque B directement. On ne passe pas par cet organisme-là. Et donc dans ce fait-là, ça, ça continue de fonctionner. Mais il y a certaines banques qui font des virements instantanés. C'est juste que... Elles utilisent toujours cette, cette, cet organisme au milieu, mais euh, elles ne mettent pas une date de validité du virement dans le futur, comme on le fait normalement. Auquel cas, il y a quand même un risque que ça soit bloqué. Euh, intéressant de savoir ça ça va décaler les de chez certaines personnes aussi. Alors. Ça dépend si les gens ont pris en avance, enfin ça dépend parce que si jamais tu reçois ta paix le 10, ça ne va rien changer, tu vois, c'est juste les 4 jours-là, les virements sont en attente, ils ne ils font pas être effectués, mais c'est le week-end, donc de toute façon, les virements ne sont pas effectués le week-end. Bonsoir Tinoz. Euh, surtout, pourquoi on ne utilise pas le système de virement instantané pour tous les virements, c'est pour une histoire de coût à mon avis, c'est vraiment une histoire de coût à mon avis. Bonsoir Julien Noissigne. Euh, pour les petits virements entre particuliers, c'est surtout un autre moyen de facturer des virements instantanés. Ouais, mais alors euh, euh, l -l -l la facturation, ça dépend du contract avec ta banque. Hein. Il y en a qui, ne y en a qui facturent pas ça. Il y en a, il y en a pour qui, euh, c'est normal. Ouais, je vais mettre ça. Ah, la pub commence bientôt. C'était histoire de voir la pub, de savoir quand est-ce qu'il y aura la pub. La pub commence bientôt, donc euh, on va bientôt attaquer le, le sujet pour en parler. Bonsoir, coquille et Donc ouais, euh, à savoir, à savoir. Donc le week-end, il est propice. Euh, à ce genre de choses. Et c'est souvent d'ailleurs quand, euh, le c'est souvent d'ailleurs quand il y a des, des grands week-ends, euh, qu'il y en a qui profitent de ce moment-là pour faire leurs attaques parce que il y a euh, des opérations de maintenance, parce que il y a des gens qui sont euh, pas disponibles, parce que voilà, c'est souvent dans ces conditions-là, c'est c'est un moment qui est euh, propice pour des attaquants. Bonsoir euh, Wandawa. Je ne vais pas évoquer les blockchains ce soir, euh, Wandawa. Si on, a, on a un programme chargé aujourd'hui. Euh, ok, je comprends mieux les articles du type Votre salaire de mars en retard cette année dans la presse. Oh, oh. De toute façon, si j'en crois euh, l'ami Iris, euh, parce que je n'ai pas vérifié, mais j'ai confiance dans plein de choses qu'il raconte, euh, pas dans tout, mais dans plein de choses qu'il raconte, euh, le code monétaire fait qu'on n'a pas le droit de faire de virement, de, de, de réaliser un virement. Dans des jours fériés ou des week-ends. De toute façon, il euh, y a une loi européenne qui est passée pour rendre gratuit tous les virements instantanés. Ah, ça, je ne savais pas. Je savais pas. Je, je l'ignorais. Alors, il reste 22 secondes dans la page de pub. À la fin de la page de pub, je vais donc rejoindre mon bureau qui se situe là. Ça me fait du bien parce que je ne peux plus être debout là. Je, je suis KO. Et puis, on va s'intéresser à cette histoire de, à cette histoire de, de faille, de, de backdoor. Dans XZ parce que bah parce que alors on fait on fait vraiment euh, on fait vraiment un truc euh, euh, c'est pas à l'arrache parce qu'on va pas faire ça à l'arrache on va essayer de regarder essayer de comprendre mais c'est à chaud parce que j'ai pas d'infos j'ai très 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 peu d'infos et donc du coup je découvre ça à ah, Iris bosse dans une dans une banque ah, bah, oui, voilà ça aide un petit peu bonsoir Choto. Euh, jour férié selon quel calendrier euh, le calendrier français euh, en tout cas pour la France. Voilà, c'est euh, comme ça. Je change d'endroit, d'accord Je vais changer d'endroit. Je vais couper ce micro-là pour pas qu'il y ait d'interférence. Je sais que vous m'entendez de loin, hein, je sais. Et normalement maintenant vous m'entendez de près. Ils nous ont deux heures sur la vague. Oh ouais, mais c'est et moi c'est Cyril, l'ami Cyril Brulbois qui, qui m'a prévenu, euh... qui m'a qui m'a envoyé un message là-dessus. Ouh, désolé, il a fait du bruit que je voulais pas faire. Alors, euh, je vais peut-être baisser un petit peu le son, ça me semble un petit peu fort comme son. Voilà. Alors, de quoi on parle Moi, je vais changer mon truc là, hop, pour avoir un vrai retour. Euh, J'ai quoi sur le Mac là Ouais, ça c'est pas très. Je vous demande une seconde. Euh, mode programme. Voilà. Alors de quoi on parle ce soir Il euh, y a Nidouille qui est en train de poster des liens. Vous pouvez aller voir les, les liens de, de Nidouille. Mais il euh, y a eu une alerte. Alors je vais prendre. Ah oui, mais alors attendez. Si je suis pas sur la bonne... ouvre X. Ah voilà. Mais sur la bonne fenêtre, que je puisse voir. Voilà. Il y a. Euh... Hop, 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 hop. Il ya a, il y a, Merde, où est-ce qu'ils sont mes, mes retweets Où est-ce qu'ils sont mes retweets Yves. Est-ce que je vois mon profil Il est là. Voilà, je vais commencer par le certfr. Euh, le certfr Je vais mettre ça à l'écran. Donc le CertFR, hein, c'est euh, un organisme français euh, qui s'occupe de donner des informations de sécurité autour, euh, autour de l'informatique. On va zoomer un petit peu. Non, ce n'est pas toi que je veux zoomer. C'est toi que je veux zoomer. Vous aussi, ça vous arrive quand vous zoomez une page web, c'est jamais la, même, la bonne que vous zoomez. Une porte dérobée, backdoor, a été découverte. Donc là, ça, ça date euh, de 19h à peu près. Donc c'est vraiment très, très récent. Une porte dé 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 dérobée, backdoor, a été découverte dans la bibliothèque Linux XZ dans les versions 5.6.0 et 5.6.1. Son utilisation semble permettre de contourner l'authentification SSH. Voilà. Donc, alerte du cert -FR. Euh, Il faut savoir que, ici, alors, comme dit Lindouille, le cert est réactif pour une fois. Ça, c'est très, très bien. Le CERT, en fait. C'est des experts euh, de sécurité euh, qui vont surveiller et qui vont mettre en place des alertes. Et éventuellement, voilà, c'est le centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques. Et donc, du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils bah, peuvent envoyer une équipe dans certains cas, etc. Euh, bonsoir, euh, Michael D'Angelo. On a qui dit quoi sur la TV, j'ai plus la pub, j'ai sur tel. Ah oui, bon, ça après, ça va dépendre. Euh, on a été, a été attaqué encore ce matin. Zéro agent a pu travailler pendant 1h30. Certains y a ça voilà. Euh, donc, euh, donc, donc, donc. Intéressant, un groupe upgrade de macOS OS me downgrade de 5.6.1 en 5.4.6. Alors. On va regarder parce que ça peut être un vrai problème. Euh, je ne veux pas dire qu'il euh, faut paniquer, parce qu'il ne faut pas paniquer, il faut jamais paniquer. Il faut analyser le truc, mais il euh, y en a qui vont passer un mauvais week-end. Donc ici, euh, le Certfr, il tag euh, pour Red Hat, ici, pour Debian, un, un message. Euh, pour Suse, euh, ok. Fedora 41, euh, ok. Sur Kali Linux, euh, c'est affecté. Bon, voilà. J'en ai quelques-uns, on regardera parce qu'il y a quelques, quelques messages que j'ai mis de côté, que j'ai vu passer. J'ai vraiment pas eu le temps de, de faire grand-chose parce que, euh, on va être clair, le vendredi soir, ici à la maison, alors soit je rentre le, vers 19h30, donc du coup, je n'ai pas le temps de faire grand-chose, je mange, etc. 19h, entre 19h, 19h15, 20 et puis euh, 19h45, je mange. 19h, de 20h à 20h30 à peu près c'est l'heure du coup de fil hebdomadaire de ma maman et après je suis là donc franchement j'ai vu passer des messages, Cyril m'a envoyé des messages sur le, pas m'a a envoyé des messages sur le discord que j'ai pu, pu regarder euh, et donc du coup bah, j'ai pas plus d'infos là dessus euh, donc c'est pour ça que je vais explorer ça avec vous et on va découvrir l'étendue des dégâts avec vous. Hop, on remet le Mac. Hop, 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 hop. Ok. Donc ici, qu'est-ce qui nous raconte chez Red Hat Ah oui, puis je voulais mettre également les liens que Cyril m'a envoyés sur le... Euh, voilà, ok. Alors, il y aura des trucs en double là, mais c'est pas grave. Ce poste a été mis à jour pour articuler plus clairement les versions affectées de Fedora Linux et ajouter euh, des méthodes de contournement de l'attaque euh, additionnelles, de mitigation. Donc, il Information Risk and Security and Red Hat Product Security a appris que la dernière version des outils XZ et des bibliothèques contenait un code malicieux. Malveillant, pas malicieux, malveillant. Et là, il y a un lien vers le, le, la mailing list euh, de OpenWall. On ira la regarder tout à l'heure. Elle est hyper intéressante. Par contre, je vais remettre le chat parce que je ne vois plus le chat. Euh... Ah, il y a même un article de, de Foronix. Je vais prendre le, le message de, de, de Nidouille. C'est vérité de 10. Ah, non, non, mais c'est un, un truc. C'est un truc. Euh... Voilà, on va, on, va, on, va faire le, on va faire un petit peu le, le tour de tout ça. Okay. J'ai mis tous tes liens, mais ils ne sont pas sur cette sur, cet onglet, sur, sur cette Sur ce navigateur là sur, sur le navigateur, mais euh, j'ai mis tous tes liens Nidouille, on ira les voir. Euh, donc... Euh, donc les dernières versions des outils XZ contiennent du code euh, malveillant qui apparemment ont pour objectif d'autoriser, de, de permettre un accès non autorisé. Plus spécifiquement, le code est présent dans les versions 5.6.0 5.6.1 de ces bibliothèques. Fedora Linux 40, euh, les utilisateurs Fedora Linux 40 peuvent avoir reçu la version 5.6.0 dépendant de, euh, du timing de leurs mises à jour. Ça dépend à quel moment ils ont fait leur mise à jour. Fedora Rowide, c'est la version. Non. Vite fait, c'est quelle distribution La distribution Red Hat euh, euh, Fedora, euh, c'est une distribution euh, qui a une durée de vie de, de, de support d'à peu près un an, entre 10 mois, 9 mois et un an. Donc elle est mise à jour plus que tous les ans. Et cette, euh, cette distribution-là, c'est une distribution qui est un petit peu, bah, qui est une distribution communautaire et qui est vraiment un laboratoire pour Red Hat pour pouvoir fabriquer d'autres distributions derrière. Et euh, la version 40, c'est la, la dernière version en cours, si je ne dis pas de bêtises. Et la version ROIDE, euh, c'est une version euh, qui est la future version, c'est la version en cours de développement. Voilà. Et donc, du coup, bah, ces utilisateurs-là, ils ont pu recevoir la 560, la 561. La vulnérabilité a été affectée avec la CVE 2024, donc 2024-3094. Alors, alors en majuscule, Red Hat dit stopper immédiatement l'utilisation de n'importe quelle instance ROID, donc en cours de développement, que ce soit pour le boulot, pour l'activité personnelle. Fedora ROID sera euh, backporté, euh, sera downgradé à la version 5.4x rapidement, et une fois que ça s'est fait, les instances ROID pourront être redéployées de manière sûre. Bien savoir que ça, c'est la version de développement qui sera la Linux Fedora 41, c'est pas la version stable. À l'heure actuelle, la version, les builds de la version Linux 40, Fedora Linux 40, n pas, ne semblent pas avoir été compromis. Euh, on pense que, parce que là pour le moment c'est du damage control, hein, c'est tout de suite. Hein, euh, c'est peut-être la bêta, tout à fait WisplaceGate, c'est peut-être la bêta, je ne sais pas. Je n'utilise pas, pas Fedora, donc euh, si j'en ai une en bas, mais ce euh, doit être une vieille version. Euh, on pense que le code malveillant qui a été injecté n'a pas fonctionné sur ces builds, sur les Fedora Linux 40. Il semblerait que. Néanmoins, euh, il faudrait quand même de descendre à la version 5.4 pour être sûr. Donc ça a été mis à jour et normalement une mise à jour euh, doit permettre de, euh, de basculer sur une nouvelle version. On a plus d'informations pour euh, forcer la bascule sur cette version-là, sur la, la version 5.4. Donc XZ c'est quoi XZ c'est un, un algorithme de compression qui est présent dans à peu près toutes les distributions Linux, euh, que ce soit d'ailleurs des distributions... De, communautaire ou commercial. En gros, ça aide à comprimer et ensuite décomprimer des gros euh, fichiers dans des plus petits, euh, dans de plus petites tailles, ce qui est plus pratique. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le code malveillant Le code malveillant présent dans les versions 5.6.0 et 5.6.1 des bibliothèques est... Euh... Alors, comment on dit obfuscated euh... Fedora relise release tous les six mois, ben voilà. Euh... Je vais expliquer au euh, Wandawa qui, qui, est, qui, est qui, est, qui est atteint. Euh, obfusqué, comment est-ce que vous me le direz euh, Obfusqué, ouais, obfusqué. Euh, Ça veut dire quoi Ça veut dire que le code il n'est pas en clair. Il a été écrit de façon compliquée pour brouiller les pistes et qu'on n'arrive pas à le lire correctement. Et il est inclus seulement euh, dans le téléchargement complet du package. Le, la version Git n'a pas le, 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 le macroprocesseur, n'a pas un outil qui permet de déclencher le build du, euh, du code malveillant. En gros, quand on construit, un outil, quand on construit euh, des, 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 des logiciels, on peut utiliser des outils qui vont effectuer un certain nombre d'opérations pour, pour préparer la, la construction de l'outil. M4, c'est un outil qui vous permet de faire ça. Euh, la deuxième étape de, 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 du code est présente dans le dépôt Git euh, pour une injection durant la construction du logiciel. Euh, si jamais le processeur, euh, si jamais la macro M4 est, qui, qui est malveillante est présente. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ça va être quelque chose qui, lorsqu'on va compiler le logiciel, va mettre en place une backdoor. C'est lors de la compilation du logiciel que le code euh, est mis en place. Le, le build, la, la, la version compilée malveillante, euh, interagit avec l'authentification euh, dans SSH euh, via euh, système D. SSH, c'est un protocole qui sert à se connecter à distance sur les systèmes. Et SSHD, c'est SSH, SSH le service en question. Alors, si les conditions sont correctement réunies, ça va. Interférer, cette interférence, enfin ce, ce, cette attaque pourrait potentiellement permettre à un acteur malveillant d'outrepasser l'authentification SSH et euh, gagner un accès non autorisé euh, sur l'ensemble du système à distance. Oui, euh, je, vais, je vais en parler après de ce lien. Le lien, euh, il y a plein d'endroits, il pointe sur celui-là, euh, Nidoui. Mais je voulais d'abord voir ce qu'ils qu racontaient eux, parce qu'en fait, ce qu'on va voir là, on va le revoir chez les autres. Euh, donc là, on a vu, il n'y a pas de version de Red Hat Enterprise Linux qui soit affectée. On a des retours et des preuves que les injections ont euh, pour construire euh, XZ dans la version 5.6 sur Debian Unstable euh, et que ça ait fonctionné. Enfin, euh, euh, le, le, le build a réussi, la construction, la compilation a réussi. D'autres distributions peuvent également être affectées. Les utilisateurs euh, d'autres distributions devraient regarder leur distribution pour être sûrs. Qu'est-ce que je dois faire si je fais tourner une distribution qui est affectée Alors déjà, pas de ride. voilà. Si vous utilisez une distribution euh, dans un environnement de bureautique, euh, bah, on va consulter l'équipe de sécurité. Et pour ceux qui font tourner OpenSUSE, SUSE a euh, publié une version de downgrade, voilà. Alors, je regarde un petit peu les messages qui ont été, et qui sont passés pendant ce temps-là. Euh, salut Carso. Euh... Salut Glickeur, ça pour une fois de plus que même avec du code ouvert, on peut avoir des trucs qui passent et même avec du filet. Ah oh, non, non, mais c'est pas. Euh... Le, le, le... Alors, on... Petite, euh, petit commentaire. Il y en a beaucoup qui vont dire Ah ouais, mais c'est parce que le... c'est du code ouvert et donc du coup, code ouvert, n'importe qui peut aller modifier. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais attention, ici, on constate une faille lors de la construction d'un logiciel euh, par, euh, par un acteur malveillant. le fait que le code soit ouvert le fait que on soit dans le cadre d'un logiciel libre ça permet de pouvoir s'en rendre compte, le voir, le vérifier et ça permet de pouvoir le corriger très rapidement. La problématique qu'on va avoir on va revenir dessus euh, Louis, tu vas voir le, le, on va revenir plus en détail dessus. Euh, la problématique est que si jamais c'est un logiciel euh, propriétaire à code fermé, on n'a pas accès au code source, ce qui va faire, c'est on peut peut-être constater qu'il y a une faille. Pour avoir un correctif, on ne peut pas le corriger. On ne peut pas demander à un expert à côté de nous de le corriger. Il faut attendre que l'éditeur publie un correctif. Et pour moi, c'est quand même un gros avantage de pouvoir avoir une multitude d'acteurs sérieux. Les éditeurs des distributions, Debian, Red Hat, SUS, tout ça, ce sont tous des gens sérieux. Et que eux puissent mettre leurs experts dessus en parallèle, parce qu'ils communiquent entre eux, hein, ils communiquent entre eux pour, pour se dire attention, j'ai repéré tel truc, etc. Je dirais hors des radars, parce qu'on ne veut pas communiquer à tout le monde, euh, à la terre entière, qu'il y a une faille sur un logiciel alors qu'on n'a pas encore de correctif, qu'on ne sait pas encore quoi faire. On essaie d'abord de trouver un correctif tous ensemble. Ils l'y publient, ils l'y poussent, et puis après, c'est rendu public. C'est normalement comme ça qu'on le, qu le fait. Et donc, du coup, euh, le, le, ça permet de mettre un ensemble de personnes très compétentes ensemble à travailler ensemble sur le sujet. Alors que quand c'est dans le cas d'une boîte euh, qui édite un logiciel, il n'y a que les gens qui ont accès au code source qui, un, peuvent vérifier et puis deux, peuvent potentiellement corriger. Est-ce qu'ils ont les compétences pour corriger correctement le truc ben, ils auront forcément moins de compétences à euh, une équipe relativement restreinte. Alors je ne parle pas des grosses boîtes comme Google ou compagnie, mais de, 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 globalement, dans une équipe de développement, même s'il y a 50 développeurs, il y a, moins, il y a forcément moins de compétences que quand il y a euh, des milliers de personnes euh, dont en contrepartie ça peut être le, le, le métier. Euh, donc c'est une supply chain attaque là. Ça y ressemble, je ne sais pas si on peut dire que c'est une supply chain attaque, mais ça y ressemble énormément. Alors, on va les regarder le message sur OpenWall, parce que ce message là, il est vraiment intéressant. Je l'ai regardé pour tout vous dire. Hein, euh, je vous dis, je fais ça quasiment en, en live ici euh, parce que euh, j'ai lu le, le, ce message là sur mon téléphone pendant que j'étais aux toilettes avant le live. Hein, donc, euh j'ai bien compris. C'est la compilation que la backdoor s'installe sur le PC du dev ou c'est l'utilisation de la bibliothèque qui installe la backdoor. Il ben, y a de les deux. La backdoor, elle s'installe dans l'exécutable. Alors, regarde. Ici, quelqu'un qui poste, hein, c'est euh, André Freund. C'est lui qui a trouvé la, la faille. Donc, ça date d'aujourd'hui. Euh, alors, euh, moins 7 heures. Euh, ouais, ça date d'aujourd'hui. Si en a un qui veut faire la, la qui, qui, qui est capable de me dire quand est-ce que ça a lieu, moins 7 heures, ça veut dire qu'il est, c est être aux États-Unis, on a plus 2 heures. Donc, on a 9 heures de décalage. Non, plus 1 heure. Donc, on a 8 heures de décalage à 16 heures. 16-17 heures, ça a été découvert. Bon, pas lire ça dans les toilettes, ça peut faire des dégâts. Ah Il n'y a pas eu de dégâts. Alors, il dit bon, après, euh, après l'observation de quelques symptômes bizarres autour de la lib-Elzema, qui fait partie du paquet XZ sur une installation des Seed lors des dernières semaines, les logins avec SSH prenaient beaucoup de CPU, des erreurs de Valgrind. Valgrind, c'est un outil pour rechercher. Euh, comment je pourrais vous le dire euh, Je vais, je vais chercher le. le... Alors, c'est un outil, voilà, pour pouvoir analyser. Voilà, c'est ce bon mot, c'est analyser les, les, les constructions de, de, de programmes pour pouvoir automatiquement détecter des erreurs, des erreurs classiques euh, pour Valgrind. Donc, en gros, quand vous construisez un programme, euh, d'utiliser Valgrind, ça va vous permettre de voir s'il y a des erreurs évidentes, des erreurs classiques qui apparaissent, euh, qui sont présentes dans votre code, et donc du coup de pouvoir aller les corriger. C'est un, un analyseur automatique. Euh, en vrai, si c'était dans Sid et peu déployé ailleurs. Le week-end n'est pas si pourri pour les boutiques Non, mais, attends, c'est pas que pas que chez Debian. Hein. Il y a chez Debian, il y a chez euh, Kali il y a chez euh, euh, il y a chez Suse, euh, il y a chez Fedora euh, où ça a été euh, où ça a été publié. Donc, ouais. Donc du coup, après, après, explorer, euh, après avoir exploré le truc, j'ai découvert quelques euh, réponses. Voilà ce qu'il nous racontait euh, ici. Le dépôt upstream de XZ et euh, les fichiers TAR euh, possèdent une backdoor, une porte dérobée. Alors le upstream XZ repository, c'est quoi C'est l'endroit où les gens prennent le code pour compiler leur version de XZ, pour pouvoir le... le, euh, le Pouvoir le construire sur leur distribution, par exemple. Euh, au départ, j'ai pensé que c'était une compromission du paquet Debian, mais il s'avère que ce n'est pas chez Debian, mais que c'est dans le projet upstream. Il faut bien comprendre qu'une distribution Linux, s'est construit à partir de plein de projets indépendants. Et quand on a, par exemple, chez Debian, on fait un fichier Deb, un paquet Debian à partir d'un projet, on prend, on construit le, le, le paquet Debian, le paquet, le, le paquet en Prenant comme point de départ le projet Upstream, éventuellement en lui appliquant des patchs, en le modifiant, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc ce n'est pas au niveau de l'éditeur de la distribution que ça fonctionne, c'est au niveau de ce que va prendre l'éditeur de la distribution sur GitHub, par exemple, et ça peut être sur d'autres sites, pour fabriquer son paquet. Alors, une portion de la backdoor de la backdoor est uniquement. Dans euh, les paquets, euh, les, les fichiers TAR qui sont distribués. Salut Alexia! Pour une référence plus simple, voilà un lien euh, de euh, l'import du fichier TAR de chez Debian, mais c'est également présent dans les fichiers TAR pour la 5.6.0 et la 5.6.1. Donc là, il nous a mis quoi? Bon, on va le laisser charger parce que ça se trouve, y a plein de mots qui vont voir dedans. Cette ligne n'est pas dans le code source du projet euh, de, de, de base et n'est pas build to host n'est pas utilisé euh, par XZ euh, dans Git. Néanmoins, c'est présent dans les fichiers tar qui sont fournis par le projet Upstream, excepté pour la version code source, qui est ce que je pense que GitHub génère automatiquement depuis le dépôt. Donc en gros, si on regarde le code source de XZ, il n'y a pas la, la faille. La faille n'est pas présente dedans. Par contre, si on récupère le fichier tar de fichier compilé, euh, non, on va aller faire, hop. si euh, ici on va sur GitHub et puis que pour XZ, on récupère ici hop, 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 le fichier tar, la backdoor, elle est là-dedans. Mais elle n'est pas dans le code source. Elle n'est pas dans le fichier ici de code source, n'est pas présente. Elle est bien présente dans la version compilée. Euh, cette infection, ça, ça infecte. Euh, this inject. Non, ça, ça injecte un script euh, obfusqué euh, qui va être exécuté à la fin de l'opération du configure. Le configure, c'est un outil qui va permettre, lorsqu'on va construire un logiciel sur notre machine, de voir si tous les prérequis à la compilation sont présents et de créer un fichier D'actions à réaliser pour construire le logiciel adapté à notre machine en fonction du type de compilateur qu'on a, en fonction de l'architecture sur laquelle on est, en fonction des bibliothèques qui sont présentes, etc. etc. Euh, ce script est fairly obfuscé dans data from test.xz files in the directory. Alors, ce script, euh, il est. Alors, faire l'obfuscated, obfusc je ne sais pas trop comment le, 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 le traduire. Un peu comme CMA, ça fabrique, si tu veux. ces il va lire un fichier de règle, un fichier, alors je ne sais plus comment ça s'appelle pour ces mecs, mais pour mec, c'est un fichier makefile. Euh, le fichier configure, il va créer le fichier makefile, ou il va créer le fichier pour ces mecs. Mais ces mecs, en gros, il a son propre mécanisme de, de, de configure. Et ça récupère, donc le, le, cette file récupère des données depuis les fichiers test euh, du dépôt. Le script est exécuté et si des, certaines préconditions euh, sont là, il modifie le fichier makefile pour contenir ça, bad 3 corrupt underscore euh, pop, pop, pop. Voilà, Il rajoute trois lignes dans le fichier makefile qui est là. Et qui se termine par. Il fait un sed pour modifier le contenu du fichier qui est là. Un tr pour enlever certains éléments. Un tr, ça, ça va traduire certains éléments, euh, notamment les underscores tirés en tirés underscores. Euh, pipe slash bin slash bash, plus grand que slash dev slash nul. Alors là, c'est le, le, le gros truc qui est là, c'est ça, ça fait quoi Ce que j'ai surligné, ça va faire quoi Ce que j'ai surligné, c'est que tout ce qui va être généré avant, ça va être euh, envoyé à bash. Donc bash va exécuter tout ce qui est généré pré précédemment et ne va rien afficher sur la sortie ni au niveau des erreurs. Si on enlève le pipe bash, qu'est-ce qu'on a euh, derrière On a ça. Donc ça veut dire que ça, c'est ça qui est exécuté euh, par Bash sur la machine. Et c'est là où on dit que c'est obfusqué, parce que qu'est-ce que vous comprenez ici de ce qu'il a marqué Moi, c'est pas très très lisible. Hein c'est comme pas très très lisible, il y a quand même un pipe sage bin sache également. Une fois que c'est euh, dé euh, ça amène l'attaque qui est euh, dans le fichier injected.txt qui doit être plus bas. Putain merde, il est long son truc, injected.txt. Donc c'est ici, je ne vais pas le laisser plus longtemps que ça à l'écran. On ne va pas l'analyser parce que je n'en suis pas capable. Bonsoir, bandit. Salut, Matt. Je regarde vos messages et en parallèle. Bonsoir, lapin féroce. Alors. Donc là, du coup, on a deux fichiers qui sont là. Euh, on va je vais avancer un petit peu là pour pas... Parce que je vais pas faire de l'analyse de code. Hein. Donc là, le code, du coup, injecté euh, génère des erreurs sur Valgrind et crache dans certaines configurations. En fonction de l'activité euh, des dernières semaines, le commiteur est soit directement impliqué, ou alors leur système a été particulièrement euh, compromis. Malheureusement, euh, le dernier a l'air d'être l'explication la moins euh, plausible, euh, vu qu'ils ont communiqué sur différentes listes à propos des fixes qui correspondent à ça, qui correspondent au, au, aux, aux attaques. Donc là, il y a du code qui, est fourmi, euh, qui, est fou, qui a été fourni euh, qui permet de, de faire ça. Alors, petite remarque. Petite remarque. Euh... Je sais que Cyril n'est pas là, mais Cyril m'a fait un commentaire. Sachant qu'un contributeur XZ était en train de me tanner pour que j'upload son paquet pour corriger des faux positifs Valgrind. C'est-à-dire que Valgrind y gueule en disant qu'il y a un truc qui ne va pas, parce qu'effectivement, il y a un truc qui ne va pas. Et donc du coup, ils ont cherché à cacher ce truc-là. Et donc, il y a un contributeur qui disait Ouais, oh, non, mais il faut, faut changer parce que Val il... c'est Valgrind qui se trompe Voilà. Voilà, voilà. Merci Cyril. Euh, FIPS XZ, c'est une bibliothèque de compression qui est utilisée quasiment partout. Très, très, très utilisée sur les systèmes Linux, essentiellement. Hop, 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 hop. Donc, il a des conditions, c'est que ça ne target que les architectures x86-64. Merci à toi, euh, Toton euh, Belik. Euh, ça veut dire, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire, à hey, augmente que euh, si tu as un Mac silicone et puis qu'il a donc la version de toute façon. Voilà. Et euh, ça ne va, ça ne fonctionne que sur les versions Linux. Voilà. Sinon, la faille, elle peut être là mais elle elle va pas déclencher. Euh, Ça fonctionne que si on utilise Gcc et le linker GNU. donc A priori, euh, bon, c'est comme du monde quoi. Si jamais on utilise, on est sur un système Debian ou si jamais on est sur un système euh, avec des RPM, up, up, up. working injected code. Donc, a priori, ça fonctionne que quand on a une bibliothèque C euh, GNU, euh, la glibc. Alors, la C, c'est la bibliothèque qui implémente les appels euh, système euh, du langage C. C'est le, le, le cœur de la distribution. Et euh, si jamais vous êtes avec une Alpine, par exemple, Alpine Linux, il est possible que it is likely. Hein, donc, c'est, il est possible que du coup, la faille ne puisse pas fonctionner. Euh, il y a Krim Twitch qui nous dit euh, « Oh, merci beaucoup euh, Papa Hong, pour tes 12 mois. Un an Bravo, un an euh, !» Twitch qui nous dit « Je gère euh, des VM CentOS, Alma Linux, Rocky Linux, Debian, Ubuntu et je suis sûr d'avoir eu une des VM qui m'a demandé de mettre à jour XZ hier ou avant-hier. Version verrouillée point d'interrogation, mais je ne retrouve pas quelle OS et quelle version. » Si tu n'utilises pas les versions de développement, euh, normalement sur ces machines-là, tu n'es pas, pas affecté. Ubuntu je vais vérifier, mais au moins pour les autres, tu n'es pas affecté. Quelle journée Ça commence à 4h du matin avec un incident de prod, démerde toute la journée. Maintenant, j'ai découvre que c'est... Ah ouais, non, non, mais c'est PAC, hein. C'est pack. Fort heureusement, les versions 5.6.0 5.6.1 n'ont pas été totalement intégrées dans les distributions Linux. Et euh et où elles ont été intégrées, c'est en général des versions pré-release, donc la version de développement ou la version de test de Debian par exemple. Ou la version de développement de euh, Fedora 40 et la version de développement, enfin euh, la version bêta Fedora 40 et la version de développement euh, Fedora euh, 41. Alors, qu'est-ce qu'on qu 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 constate en impact avec la bibliothèque euh, LibelZema installée euh, avec la version qui est, est backdorée, les logins avec SSH sont un peu plus lents. Lui, donc il a fait un time. La commande time, je ne sais pas si vous connaissez la commande time, la commande time c'est un launcher qui va faire quoi alors C'est un launcher, euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Euh, ça, un launcher, c'est un programme qui va lancer un autre programme. C'est Unix. Si jamais je fais un. Euh, euh, je vais me connecter sur un, sur un Linux. Ah oui, mais ma machine de test, elle ne marche plus. Euh, c'est pas grave. Je vais faire un euh, time. Echo, euh, euh, coucou, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Le time, j'aurais bien aimé qu'il le mette. Time LS. Ah ouais, c'est pas tout à fait pareil. Euh, Est-ce que ça, ça va marcher? Oui. Je l'ai réinstallé euh, tout à l'heure, la machine dessus, pour ça qu'il n'est pas content. Il ah, faut que je me connecte en tant que route. Ah, je vais y arriver. Parce que j'ai pas encore la machine que j'ai installée tout à l'heure. Je voulais qu'on fasse ça ce soir. Euh, qu'on installe cette machine-là euh, euh, ce soir, mais au final, euh, non. Euh, si je fais un time, LS, il va me faire le LS. Et puis derrière, il va me dire, voilà, le, le temps d'exécution qui a mis à fonctionner. Le temps qui s'est passé entre le moment où tu as tapé entrée ici et le moment où j'ai fini de m'exécuter. Le temps passé dans l'espace utilisateur, le temps passé dans l'espace noyau. Donc en gros, il me dit le temps de fonctionnement de la commande. Salut TopClean et donc, du coup, euh, quand il essaie de faire un SSH d'une personne qui n'a pas de compte, euh, quelque part, voilà, il, ça se passe, euh, il a euh, 0,3 secondes. Euh, ça, c'est avant, 0,3 secondes de, de, de time. Alors, en fait, il faut plutôt regarder ces deux-là, hein, parce que là, il peut y avoir d'autres programmes qui bouffent du temps. Et euh, là, il y a un truc qui est bizarre. Hein. Effectivement, c'est systématique. Moi, du coup, c'est bizarre son truc, mais euh, ça prend euh, deux fois plus de temps, entre deux et trois fois plus de temps. OpenSSH, lui, n'utilise pas Libelzema. Mais Debian et d'autres distributions patchent OpenSSH pour supporter la notification via systemd D et LibSystemD dépend de LZDMA. Alors, pour les haters de système euh, D, d'adapter un programme comme OpenSSH au reste de la distribution, c'est quelque chose de normal à faire. Puisqu'on va faire fonctionner un ensemble d'outils qui sont indépendants les uns des autres ensemble, il faut mettre un petit peu de glu entre eux pour que ça fonctionne. Ce n'est pas lié à un système D. Ça aurait pu être n'importe quel autre système, et n'importe quel autre système aurait pu utiliser LZDMA, donc cette bibliothèque donc, qui est compromise, euh, parce que c'est une bibliothèque qui est énormément utilisée. Voilà, je vais préciser les choses. Euh... Donc lui, qu'est-ce qu'il a constaté euh... Initialement, démarrer SSHD en dehors de système D n'a pas le ralentissement, malgré le fait que euh, la backdoor soit brièvement euh, appelée. Ça semble même euh, de faire partie de certaines contre-mesures pour, pour faire l'analyse plus difficile. Les choses qui font que l'exploit fonctionne. Euh, je confirme que le patch est bien proposé sous Kali. Ouais, non, mais c'est ça, sous Kali, j'ai vu passer. Euh, la variable terme ne doit pas être mise en place argv0 doit être sshr sbin sshd on ne doit pas avoir ld debug LD, LD, ld profile, alors ça ça veut dire quoi typiquement on n'est pas dans un environnement interactif si on lance sshd dans un environnement interactif la, la faille ne va pas se déclencher euh, si on lance un outil qui a un autre nom, une commande qui a un autre nom que USR, SBIN, SSHD, Arv0 c'est le, le nom de la commande sur la ligne de commande, s'il a un autre nom, ça ne va pas se déclencher. Si on utilise des outils de débugage ou de profiling, ça ne va pas se déclencher. Euh, on a besoin que la variable lang qui donne dans quelle langue on affiche un message d'erreur soit mise en place, pas qu'elle ne qu qu soit pas euh, non présente. Et certains environnements de débugage, comme RR par exemple, sont détectés. Euh, et GDB euh, détecté dans certaines situations mais pas dans d'autres. Pour reproduire, le serveur peut être démarré à la main avec par exemple ça. Donc il met en place les prérequis. Hein. L'environnement, il, il définit langue et puis il l'appelle SSHD. En fait, OpenSSH n'a pas besoin d'être démarré en tant que serveur pour observer le ralentissement. Ah oui, donc il n y a même pas besoin de lancer en tant que serveur. Là, il affiche juste l'aide. Euh... Il est possible que là, si la commande s'appelle autre chose que USRSB l'effet est quand même présent. On ne sait pas trop. Je regarde un petit peu vos messages. Carso qui est sauvé par la, la lenteur infinie. On n'est plus au, une lenteur infinie sur Debian, ça va quand même beaucoup plus vite. Une nouvelle version de sauve dans Debian. Pour une fois que ce truc sert à quelque chose. Alors, oh, petit commentaire. Euh, C'est bien ce que tu dis, euh, Debian, euh, Debian, euh, Carso. Je vais faire une petite précision parce qu'effectivement, il euh, y a des distributions qui sont atteintes, d'autres distributions qui ne sont pas atteintes. Il y en a qui parlaient de Kali, il euh, y en a qui parlait de, 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 parlaient de Debian. Il y, y a deux approches. Quand on va vouloir publier euh, des euh, logiciels, la première approche, enfin une distribution, la première approche, ça va être de se dire régulièrement je vais choisir les versions des logiciels qui, qui vont être présents dans ma distribution et je vais les figer pour s'assurer que le correctif, enfin le, la glu que je mets pour leur permettre de discuter ensemble fonctionne bien parce que si jamais elle change de manière de discuter avec les autres programmes, ça ne marchera pas. Ça, c'est les distributions qui ont des releases. C'est le cas de Red Hat, c'est le cas de Debian, c'est le cas du Bluetooth, etc. Maintenant, il y a une autre approche. On n'est pas obligé de faire comme ça. Il y a une autre approche qui va être de se dire, quand une distribution est faite, ma distribution, je la construis, et dès que un des éléments de ma distribution est mis à jour, immédiatement, j'incorpore la mise à jour. C'est les distributions qu'on appelle en rolling release, hein, en, en, en release continue. Ce n'est pas, pas des points d'étape réguliers qu'on va faire, tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans, tous les six mois, peu importe. C'est en permanence. En permanence, on va réincorporer les dernières versions des logiciels dès qu'il y a une nouvelle version qui sort. Une nouvelle version de SSH sort, on la compile, on l'intègre dans notre système immédiatement. Ce qui est le cas de distribution comme euh, Gen2 euh, par exemple. Donc, les deux approches ici, il faut avoir conscience qu'il euh, n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Les deux ont leurs avantages ont leurs inconvénients. Dans le cas présent avec XZ, évidemment c'est un inconvénient puisque c'est uniquement dans les pré-versions de celles qui ont des releases par point d'étape que la faille a été récupéré alors que ceux qui l'incorporent directement euh, et ben eux ils sont immédiatement affectés donc dans ce contexte là c'est pas forcément un avantage dans beaucoup d'autres contextes c'est plutôt un inconvénient donc les deux ont leurs avantages c'est un choix qui est fait c'est bien que les deux existent parce que euh, ça donne une variété euh, des, des situations dans lesquelles, quelquefois il y en a un qui va être atteint et pas l'autre donc on a toujours une manière de, de, de s'en sortir euh... Je viens d'avoir un message sur Twitter pour savoir si les clés, et c'est ça, sont impactées. Je trouve cette question intéressante, même si les clés ne sont pas touchées. Euh, alors, je vais continuer d'avancer dans le truc, puis on va regarder, effectivement. Donc, je passe un coup de fin. Bon Lurk, merci beaucoup, Recallbox. Euh, merci énormément, j'espère que, que, tu, que tu vas bien. Euh, et merci pour le Lurk. Très, très euh, bonne soirée. Hop, je vais revenir ici. Alors, déjà, première chose qu'il dit, lui, euh, il, est bien dans son, il est vachement bien son mail. Hein. Merci euh, de... Alors, je, je l'avais noté, mais merci, Onidouille, d'avoir euh, insisté pour qu'on le regarde. Je ne suis pas un chercheur en sécurité. Alors, moi non plus. Et je ne suis pas un analyseur de code qui a été euh, euh, reverse-engénéré. Ah, Wax Music qui arrive, j'espère que tu vas bien, Wax Music. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info On a comme info, info qu'il y a des versions 560561 de la, Lib la Lib Elzema qui a été corrompu au niveau c'est une attaque de, de au niveau du code source alors c'est pas le code source c'est au niveau du build il faut dans certains cas donc il faut certaines conditions pour que la faille puisse être construite si tu récupères le fichier tar c'est construit si tu récupères le, le code source que tu le construis euh, toi-même euh, et que tu n'as pas de processeur M4 de préprocesseur M4 ça ne sera pas buildé, d'après ce que j'ai compris jusque-là. Et pour l'exécution, ça s'exécute que dans certaines conditions qu'on était, qu était en train de regarder. Donc c'est une backdoor, c'est clairement une backdoor. On n'a pas encore vu les, 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 les conséquences. XZ, c'est une bibliothèque de compression, M. Seb. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas analysées, et la plupart des choses que j'ai observées sont purement depuis mon observation, plutôt que d'analyser le code. Alors, hop, 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 hop. Euh, dans x 61 la backdoor elle est obfusquée un peu plus. Je regarde un petit peu là pour essayer de comprendre mais euh, là pff, pas évident de, de voir. Un, un, un. Comme je vous ai dit, je le découvre avec vous. Hein. Alors c'est plutôt l'impact sur SSHD qu'on va regarder. Alors, la trace que j'ai analysée, euh, en fait, montre que durant un login avec une clé publique, le code de l'exploit est déclenché. Je n'ai pas analysé plus précisément. Donc ça, c'était à 17h, hein? euh, 16h50 qu'il a posté ça. Euh, plus précisément, euh, ce qui est vérifié. Euh, lors de l'injection de code pour permettre un accès non autorisé, puisque ça s'exécute pendant le contexte de pré-authentification, il semble probable que ça permette certaines formes d'accès ou d'exécution de code. Je graderai n'importe quel système vulnérable au plus vite. Voilà. Donc il y a un mec qui a fait un script pour savoir si on était, euh, si on était. Euh, euh, ouais, du coup, je pensais, je vais vous le mettre. Si on était euh, euh, atteint ou pas, euh, c'est sur le euh, message, hein, c'est sur cette, euh, cette mailing list-là. Hop là, je vais vous la mettre là. Euh... Je regarde vos messages, hein. Mais Carso, Carso donne le, 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 la bonne info. Un vilain contributeur a commit un vieux machin tout obfusqué qui s'injecte au build dans certaines conditions pour que ce soit discret. Sale backdoor. Salut, tu vas voir, mon geek. Combien de temps entre le commit et le patch euh, On sait qu'il y, ouais, qu y a push le code. Mais ils sont rendu compte par, par euh, coïncidence. Pour le moment, c'est downgrade, downgrades. Hein, ce n'est pas corrigé. Hein. L'étude est vachement poussée. Ça veut dire que le code problématique a été déployé il y a quelques jours, semaines. Alors. Euh, pop hop, pop. Si on remonte, euh, on est allé voir ce GitHub, je crois, tout à l'heure. Si on va voir ici, voilà, hop, projet XZ. Euh, projet XZ, si on fait les releases, c'est la 5.6.0 et la 5.6.1. Donc la 5.6.1, elle est sortie il y a trois semaines. Et la 5.6.0 est sortie fin février. Donc ça fait au moins un mois qu'il y a cette, euh, ce truc-là. C'est ça, le premier bulle comprimé date de fin février. Alors, bon, on, va, on va revenir. Vous allez voir, vous allez voir. Il y a des trucs euh, intéressants là-dedans. Alors... Euh, c'est cette ligne là qui, qui, qui fait la merde, mais peu importe, c'est pas ça que je voulais voir. Euh, ah non, c'est de l'autre côté, c'est des messages qu'elle m'a qu envoyé. Voilà, on va mettre celui-là. Ici, on est sur le site de Severe Details, parce que du coup, il a une alerte. Alors, quand il y a, quand il y a une, une faille de sécurité dans un logiciel, ceux qui ne connaissent pas du tout. Euh, il faut savoir que tout, pour tous les logiciels importants, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir un organisme qui va donner un numéro à cette faille-là pour que tout le monde puisse référencer à partir de ce numéro-là, qui est un, du coup un, un point commun, pour éviter que chacun lui donne un nom qui soit différent, qui représente la même chose. Donc du coup, on va pouvoir se focaliser dessus. Et donc là, c'est l'attaque la CVE 2024, donc ça c'est l'année, et là 3094. Donc du code malveillant a été découvert dans les, tar, les fichiers TAR upstream de XZ en commençant par la version 560. À travers une série d'obfuscations complexes, la bibliothèque, le processus de construction de la bibliothèque extrait un fichier objet préconstruit euh, qui se fait passer pour un fichier de test dans le code source et qui est ensuite utilisé pour modifier certaines fonctionnalités euh, de la bibliothèque Elzéma. Euh, euh, LZMA, ça résout, ça, le résultat, c'est une bibliothèque modifiée qui peut être utilisée par n'importe quel utilisateur, euh, par n'importe quel logiciel qui utilise cette bibliothèque. Et ça va intercepter et modifier les données d'interaction avec la bibliothèque. Alors ils ont un système de score. Euh, ils ont un système de score euh, chez eux qui est du moins grave au plus grave. Et euh, le, 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 ici, le score actuel de cette faille-là, c'est un score de 10% sur 10. Il n'y a pas plus élevé. C'est le plus grave du plus grave. Voilà. Score source, Red Hat. Redat estime, c'est euh, dessus. Par contre, l'exploitabilité, le, le, c'est 3,9. Ça c'est le score de base. virgule 3,9. Et l'impact c'est euh, 6. Mais ça veut dire quoi base de score? Ça veut dire que a priori, euh, il n'y a pas de. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Euh, ça permet d'exécuter du code à distance. Voilà, donc là derrière, on a quelques références. Hein. Bugzilla de Sharedat, Openwall, le message qu'on vient de lire. Sharedat, le message qu'on a lu tout à l'heure. Les produits affectés. Euh... Ouais, mais en fait, non. Et depuis, ils ont dit que non. Euh, pour Sharedat, projet XZ. Pourquoi c'est. Mais c'est Reda qui a remonté le truc, mais là euh, non, c'est voilà, c'est auto-généré, voilà, c'est auto-généré, donc ça faut pas, pour le moment c'est pas pas très, très fiable. Alors ici première chose un petit peu chelou. Alors déjà si on va voir, euh... ah j'ai ah, fermé ma, ma fenêtre suis con. Donc là ouais sur euh, OpenSUSE euh, bah du coup ils, ils font machine arrière, ils back, ils backport, ils, ils enlèvent la version 5.6.0, ils mettent une version euh, un petit peu plus ancienne. Ouais, c'est parce qu'en fait, on la, la personne en question, elle est identifiée. Hein. Euh... Ouais, d'après ce que j'ai vu, euh... il y a des trucs bizarres qui ont eu lieu ici. Ça, on l'avait vu. Ça, c'est le Valgrin. Alors, attendez, hop, hop, hop. Les gens qui ont des articles là-dessus. Ouais, euh, Je regarde, il y a Foronix qui a fait un article, mais il n'y a pas grand chose dessus. Euh, Ars, Technica, Ars Technica qui a un article dessus. Ouais, c'est le deuxième contributeur du projet. Tout à fait. Attends, je regarde un petit peu vos messages. La Ubuntu 22.04, la upgrade. Ouais, oh, alors ça, c'est normal. Euh, parce que la Ubuntu 22.04, elle fait des mises à jour par point d'étape. Donc, du coup, ils ne vont pas mettre une version toute récente du logiciel. Comme ça. Euh... Sur beaucoup de projets, ça c'est ok. J'ai une attaque chez un client similaire dans la méthode dans Zlib pour une backdoor sur le port applicatif avec un magic pack. Ah ouais, carrément. Non, bien sûr, genre un des grands contributeurs du projet quoi. En gros, le dev de qu'est-ce qu'il a découvert avant que ça se propage trop dans les distribués, il, il devrait avoir un prix Nobel. Peut-être pas quand même, mais la personne qui pousse ça, elle sait qu'elle sera démasquée, et qu elle, elle sait qu'elle risque rien alors. Tu sais pas. En fait, tu sais pas. C'est grave si j'ai cliqué sur View Attachment Non, 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 ça, c'est pas, pas gênant. Alors, on va voir ce qu'ils disent là-dessus. Euh, ça, c'est des infos qu'on avait vues avant. Ok. Voilà, et il y a un message qui est assez intéressant. Parce que c'est... là, c'est l'article de, de Arstec Et c'est tout à fait. Euh, ça a tout à fait du sens. On pouvez aller voir ce, 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 cet article-là. Il est très très bien. Euh, Rien, ça vite. Le compte Git a peut-être été hack. Voir si OTP ou pas. Euh, ouais, alors apparemment, il a publié sur d'autres mailing lists parce qu'il y a eu des messages sur les mailing lists, des messages qui étaient un petit peu chelous sur des mailing lists. Hein. Euh... Par exemple, est-ce que ça me l'affichait là Voilà, tu vois, par exemple, le, 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 le mec, il dit est-ce qu'on peut désactiver pour fixer l'issue numéro 60 200 machin Voilà, c'est ça. JAT 75 donc a été supprimé. Voilà, donc du coup, c'est voilà, par exemple, c'est assez c'est chelou. Lui, il a il a un compte qui est euh, qui est euh, louche. Et il est notamment il est sur les projets euh, XZ. Hein. Il fait partie des mainteneurs officiels du projet XZ. Alors, est-ce que sa machine s'est faite euh, corrompre Est-ce que lui s'est fait corrompre et tout On n'en sait rien, mais le projet, le problème, il est là. Voilà, c'est cette personne-là. Bah, bon, ça ne veut pas dire que c'est cette personne-là, c'est ce compte-là. On va pouvoir mettre les trucs. Tuk euh, tuc, tuc. tuc. Et les mainteneurs de Fedora se plaignent qu'il était relou pour push la nouvelle version comme Cyril. Ah ouais. Alors attends, on va essayer de mettre ton, ton, ton message là. Euh, L'auteur de la Backdoor a été dev sur le projet pendant deux ans, son dernier Comics et War. Wow. Alors... C'est très embêtant. L'auteur de la backdoor était en communication avec moi euh, durant de dernière semaine en tentant de mettre euh, xz56x ajouté pour Fedora 40 et 41 parce que il a de super nouvelles features. Bah, c'est ce que disait. Enfin, je vois si c'est exactement ce qu'a qu eu Cyril, mais c'est la même la même approche. Donc Cyril qui est développeur Debian. Nous avons même euh, travaillé avec lui pour fixer, pour corriger le, le, le bug sur Valgrind. Alors qu'en fait, il était causé par la backdoor qu'il avait à rajouter. On a eu une course la nuit dernière pour fixer le problème après euh, un, un break par accident de l'embargo. Alors c'est quoi cette histoire d'embargo euh, le, le, Les embargos, c'est que bah, tout à l'heure je vous disais, les éditeurs des distributions Linux pour travailler ensemble, euh, ils vont communiquer entre eux pour essayer de retrouver des correctifs, etc. Pendant ce temps-là, ils s'engagent, alors je ne sais pas si c'est de cet embargo-là dont ils parlent, hein, mais pendant ce temps-là, ils s'engagent à ne pas communiquer sur la faille. Tant qu'ils n'ont pas un correctif qui est déployé, qui est prêt à être utilisé, ils ne communiquent pas sur la, sur la faille. Et c'est ça l'embargo. L'embargo, c'est que on n'a pas le droit d'en parler, pour le moment, avant tel moment, avant telle étape. Et casser l'embargo, se dire quoi Ça veut dire que... Ben, cette information-là, elle sort malgré tout euh, au niveau du public. Ils n'ont pas pu le garder secret, soit euh, par une erreur de manipulation, soit par quelqu'un d'autre ou autre. Là, c'est peut-être par quelqu'un d'autre, justement, que c'est sorti. Euh, il a fait partie du projet XZ depuis deux ans, euh, en ajoutant tout plein, de, tout plein de sortes de fichiers de tests binaires. Et pour être honnête avec ce niveau de, de complexité, je serais suspicieux que même de vieilles versions euh, de XZ euh, soient. Je serais suspicieux de même des vieilles versions de XZ. Il y a 452 commits. Ben, voilà. De facto, tout ce que cette personne a produit est euh, suspicieux. Oui, je suis assez d'accord. Tu peux regarder les file changes de cette PR. Alors attends, hop. Euh, attends, c'était pas là. C'était là. Euh. Disable Ifunk, voilà. c'est ça qui va, qui va rajouter, c'est tout. Il désactive le, le. Alors je sais pas ce que c'est. Hein. par contre là, pff. Ifunk, euh, s'il y en a un qui peut dire, euh, je sais pas ce que c'est. Bonsoir Jean. Si j'en viens ici, euh, c'est fascinant. Juste hier, l'auteur a ajouté un security.md, euh, un fichier security.md au projet XZ Java. Si vous découvrez et une... qui dit la chose suivante. Non, il n'a pas été désactivé le compte euh, sur GitHub. Non, non, non. En tout cas, pas pour le moment. Hello, IVXZ est un outil largement déployé selon toi Oui, très 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 déployé. Et, alors attention, il y a un truc qui est intéressant. Euh, alors, je finis ça. Et puis on regarde. Donc, l'auteur s'est fait rajouter. Mais ça, je ne sais pas si, si, si moi je l'avais trouvé ou si c'est Cyril qui me l'avait envoyé. Non, ce n'est pas là que je l'avais vu. Mais euh, effectivement, j'avais vu passer ça dans un, dans un fichier. Donc, il, dans plein de projets, il y a un fichier security.md qui donne le comportement à voir euh, pour, en cas de, en cas de, 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 de problème de, de, de sécurité. Ah, c'est peut-être ça qu'on voyait tout à l'heure là. Euh, non, c'était plus là. Bon, c'est pas grave. Euh, si vous découvrez une, une vulnérabilité de sécurité dans ce projet, euh, reportez-le de façon privée. Ne le, ne le montrez pas en tant que, euh, que problème public. Ça va nous laisser le temps euh, de travailler avec vous pour corriger le problème avant une exposition publique. Et ça va réduire le, les chances que cet exploit, que cette faille-là, soit utilisée avant que le patch soit euh, officialisé. En lisant ça euh, sous une différente lumière, ça dit, laissez-moi le temps de modifier mes, mes attaques et de capitaliser sur n'importe quelle euh, cible. Euh, ça me fait me demander quelle autre vulnérabilité pourrait, pourrait exister dans les autres projets de l'auteur. Parce qu'il n'est pas auteur que de ce euh, projet-là. Hein. Il est auteur de plein d'autres trucs. Comme on l'a vu il y a quelques instants, euh, si on regarde, euh, euh, ah, c'est pas là qu'on le voit. Attends, comme j'ai zoomé, voilà les dépôts. Comme j'ai zoomé, je ne pas, je retrouve pas. Voilà, OSS Fuse, Cppdoc, Time. Ouais, ouais c'est un fork qu'il a fait. Donc je ne sais pas s'il a publié des trucs dessus, mais de ces dépôts à lui, euh, de ces dépôts à lui, STest. des outils de compression des mais je sais pas si euh, si, si, si ça c'est pas c'est fort qu'à lui ou s'il y a eu des choses qui ont été changées dedans bonne nuit Yonidou merci beaucoup d'être là et euh, bon week-end Pascal j'imagine même pas le genre de choses sur Android ou autre ah mais ça veut pas dire qu'Android qu n'a pas été euh, euh, n'a pas été euh, atteint si backdoor on devrait avoir quelque chose sur Wireshark, non non pas forcément alors on va être clair une backdoor, ça veut dire un point d'entrée non officialisé, non officiel. Euh, ici, l'idée, c'est de permettre, sous certaines situations, à ce que quelqu'un puisse se connecter sur la machine à distance, via SSH. Si tu vois une connexion SSH, ça peut être une connexion légitime, sauf qu'elle ne l'est pas forcément. Maintenant, ça va être compliqué euh, de... Euh, comment est-ce que je pourrais dire ça Ça va être compliqué. De distinguer les connexions légitimes de non légitimes avec Wireshark. C'est une connexion SSH standard, c'est juste la partie authentification qui a été court-circuitée. Alors. Ah bah si, c'était là. Je suis en train d'essayer de voir de quel mailing list il s'agit. Euh... On le retrouve, hein, Jatan. Donc c'est de Les Colline qui dit quoi J'ai été une mainteneur du projet upstream depuis que j'ai soumis ce code euh, sous Linux en 2010, mais j'ai oublié de m'ajouter dans les mainteneurs. Euh, actuellement, Jatan est l'autre mainteneur. Donc, du coup, la s'est rajouté dedans. Pour le projet XZ Embedded. Donc il est embarqué dans notre truc. Alors, un petit commentaire. Euh, un petit commentaire important. Il y a... Si, on va regarder un truc. On va regarder un truc. Je vous dis, c'est du, du, du live. Hein. Je réfléchis en live avec vous ici. Hein. Euh... le projet XZ, on va descendre un petit peu. On va descendre un petit peu on va regarder le fichier copying. Il n'y a pas un fichier licence, ouais, c'est le fichier copying. Qu'est-ce qu'il nous dit Parce que là il y a un truc qui va être hyper important, à mon sens. Alors, euh, lib, euh, lib est sous la clause zéro licence BSD. OK, parce qu'en fait, c'est elle hein, qui, 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 est, qui a été euh, qui est attaquée. Alors, la licence 0 euh, BSD, elle est là. OK. Et elle dit quoi Permission est donnée d'utiliser, de copier, de modifier et ou de distribuer ce logiciel pour n'importe quel usage avec ou sans paiement et euh, ici euh, autorisé. Le logiciel est fourni en tant que tel et en gros, si jamais... Euh, si jamais euh, vous cassez la jambe à cause du logiciel, bah, ce n'est pas de la faute des auteurs du logiciel. C'est ça qui est, qui est dit ici, en gros, en gros. Donc ça veut dire quoi Et pour moi, là, c'est un truc hyper important. Ça veut dire que n'importe qui, actuellement, même par le passé, euh, peut prendre ce, cette bibliothèque LZDMA, donc qui fait de la compression. Hein. C'est un logiciel, c'est une bibliothèque qui va de comprimer, de décomprimer euh, des données binaires, ou texte. C'est très très utilisé parce que bah, par exemple, imaginons que moi j'écrive un logiciel, je ne dis pas que c'est le cas, mais imaginons que j'écrive un logiciel qui fasse du traitement d'image. L'image que je vais traiter, à un moment donné, il va falloir que je la mette en mémoire vive. Sauf que ça prend beaucoup de place en mémoire vive, une image sur laquelle je vais manipuler. Donc qu'est-ce que je vais faire potentiellement Je vais utiliser une bibliothèque de compression de mon image pour la stocker en mémoire, et puis je vais la décomprimer, je vais la recomprimer en permanence. Donc ça veut dire que je vais avoir besoin de développer soit un algorithme de mon côté, soit de prendre une bibliothèque qui permette de faire ça, et qui permette de faire ça euh, dans un logiciel libre ou un logiciel propriétaire. Le fait que cette bibliothèque, elle soit avec la licence 0 BSD 0, ça veut dire que n'importe quel auteur de logiciel, mais je dis bien n'importe quel auteur de logiciel, n'importe quel éditeur, que ce soit euh, un petit logiciel de comptabilité, ou que ce soit un système d'exploitation propriétaire, l'éditeur de cela, ils vont utiliser des bibliothèques pour faire des opérations. Et ils peuvent potentiellement utiliser la bibliothèque Zedema. Et donc, le souci, ça veut dire que là on est en train de voir les conséquences précises de ce cas-là. Est-ce que cette bibliothèque-là, elle n'est pas utilisée également dans d'autres logiciels, est-ce qu'elle possède pas également des failles, dans, enfin n'exploite pas des failles dans d'autres logiciels qui ne sont absolument pas des logiciels open source C'est tout à fait possible. En tout cas, pas cette attaque-là précise. Cette attaque-là précise, elle ne fonctionne, comme on l'a vu, que sous Linux sur x86-64, dans certaines conditions. Euh, depuis que la vulnérabilité a été découverte, le gars qui a fait le PR n'a rien dit. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan judiciaire Je ne sais pas. Là, c'est en fonction de ton modèle de menace. La NSA a, pu, a demandé à Intel des CPU sans le Management Engine. Ah oui. Euh... Donc, globalement, il faut se méfier des projets open source euh, accessibles qui ont des binaires du code obfusqué. Pas être parano non plus. Alors, qui c'est qui vient de, de, de suivre la chaîne Déjà, bienvenue à toi. J'ai pas loupé. Ah non, c'est Tango Whiskey One. Merci beaucoup, Tango Whiskey One, pour ton euh, 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Et puis, euh, bah, j'ai loupé. Amhack, merci beaucoup, Amrak, pour ton 27e mois. J'avais loupé ça. Hop, je vais revenir sur le chat. Euh, il y a aussi pas mal de comités dans MinGW et M62. Système D, c'est un système qui est utilisé, euh, l'Udon Space, de, pour pouvoir euh, gérer un ensemble de processus qui vont fonctionner en tâche de fond, notamment. Hein. Ici, dans, le, dans ce contexte-là. Donc, en gros, quand tu vas lancer ton, 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 ton serveur SSH, euh, ben, c'est le système D qui va s'occuper de le lancer, de l'arrêter, de t'assurer de, euh, euh, de que si jamais il plante, il va le relancer, etc. C'est ça. Vu que la CIS est sur le coup, il y a des chances que s'il est sur un territoire allié des US, il puisse avoir quelques soucis. Avec le nom qu'il a, à mon avis, euh, il est plutôt nazi. C'est un a priori mais et c'est ça système D et système D utilise LZDMA. il faut vraiment être dans cette situation là précise quoi. Mais que ce soit clair, hein, c'est pas la faute de là c'est pas la faute de système D. Là vraiment c'est pas la faute de système D. Carte qui dit donc la compromission concerne toutes les apps compilées avec les lib 560 et 561. Alors dans la faille précise, dans la backdoor qu'on est en train de regarder ça ne concerne que SSHD. Mais attention, ça ne veut pas dire que la backdoor qu'on a découvert là, ça soit la seule. Il y en a peut-être d'autres. Il faut analyser le code. Mais pour le moment, la, 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 la backdoor, l'attaque la, la, qui a été détectée ne concerne que SSHD. En vrai, sa backdoor est assez smart. Pas direct dans SSH, via un truc totalement indirect, ça s'active que au build, planqué dans un fichier compressé de test. Il a un très gros cerveau, le gars. Ouais, ouais, c est, c est, c est, il est tout seul. C'est quoi la différence entre SSHD et SSH C'est pas. Alors, tu peux tout à fait. Euh, euh, tout, tout à fait euh, simple. Hein. Euh, SSH, c'est l'outil client que tu as utilisé pour te connecter sur un serveur SSH. Le serveur SSH, c'est SSHD. SSH Damon. SSHD, c'est le serveur. SSH, sans le D, c'est le client. Pas assez malin pour passer entre les mailles du filet, nous dit Hurricane. Alors, ce n'est pas parce qu'il s'est fait topper sur celle-là qu'il n'en a pas plusieurs à, act à son actif. Hein. En fait, il n'a pas comité, comité, mais il a sa PGP qui déclarée. Oui, s'il est tout seul. Ouais, alors qu'il sont tout seul, là, euh... Ça a l'air d'être plutôt sophistiqué comme attaque. Alors, je vais juste regarder parce qu'il y a un autre truc que je voulais voir. Euh... En gros, est-ce qu'il faut paniquer ou oh, non Si vous avez des... Alors, Kali est affecté également, Kali Linux, etc. Euh, si jamais vous êtes sur une machine qui, euh, qui est affectée par cette, par cette attaque, ou vous avez une machine qui a été affectée par cette attaque, qu'est-ce qu'il faut faire ben, La machine, déjà, il va falloir la scruter, l'analyser. Euh, C'est la première chose à faire. Euh, là, ce que tu es à l'analyser, ça veut dire quoi bah, déjà, autant que possible, la déconnecter du réseau. Je sais que ça peut être lourd, mais là, euh, potentiellement, et euh, à minima, surveiller les personnes qui sont connectées sur la machine. À minima, ça, alors on va être clair, c'est pas suffisant, mais euh, je ne connais pas le niveau de l'attaque qui est derrière. Il est possible que dans les logs, on ait la liste des personnes qui soient connectées euh, récemment. Personnellement, si jamais j'avais une, euh, euh, si une, une machine qui avait été infectée par ça, les versions des systèmes que j'utilise font que je ne suis pas affecté. Mais si jamais j'avais eu une version d'une machine qui avait été affectée par ça, personnellement j'envisagerais de réinstaller la machine. Euh, pour une de choper, il y en a combien Oui, c'est ça. N'empêche, si OpenSSH n'avait pas été patché pour système D, la faille aurait probablement été impossible. Pas forcément. Et il aurait pu faire une, une, une faille dans d'autres conditions. Il faut vraiment se dire, attention, quand on a une distribution, on a des logiciels qui ne sont pas faits pour bosser ensemble, il faut faire bosser ensemble, il faut les modifier. Et euh, si jamais on avait été avec un autre système, mais qu'il y avait un autre outil qui était appelé ou qui était en interaction avec euh, SSH, qu'utilisait euh, LZDMA, c'est celui-là qui aurait été utilisé. Tu sais, les, les interactions entre les programmes, il y en a beaucoup. Et euh... Euh... faut pas paniquer, mais ça prend une semaine chargée en patch. Oui. Antoine qui nous dit c'est pas sophistiqué, c'est juste une backdoor dans un programme. Il n'y a pas de firewall évasion dans ce cas précis qui a fait du reverse TCP. Ah non, c'est une... sophistiqué. Alors, l'attaque est très sophistiquée. La... La... La faille, elle est sophistiquée. Le type d'attaque, c'est-à-dire un projet qui est utilisé par beaucoup de monde, il y a eu... Le mec, il est dans, dans le projet depuis au moins deux ans. Ça veut dire qu'il y a au moins deux ans pour infiltrer le projet, pour devenir un mainteneur du projet et pour commencer à rajouter ses, ses backdoors. Ça, ce n'est pas, pas permis à tout le monde, premièrement. Et deuxièmement, le niveau de complexité de son programme, c'est pareil à un niveau assez élevé. Ce n'est pas une attaque complexe en soi. Enfin, Ce n'est pas une attaque complexe à exploiter en soi qui va exfiltrer des informations, c'est une attaque qui donne le contrôle de la machine à un attaquant. Si concerné, on peut se connecter en route directement sur le mot de passe, ça je ne sais pas. Si la machine est sur un réseau privé, a priori ça ne craint rien. C est, c est, c est, je ne sais pas. C'est moins probable. Mais tu sais pas. C'est une d'or qui vient de sauter, elle a été trouvée bien en amont avant de faire mal. Donc forger c'était autre chose. Oui, mais c'est quand même une, quand même une, une attaque euh, sophistiquée. Sophistiquée, euh, quel moyen il faut pour être capable de construire une attaque comme ça C'est ça. C'est le mec, il a au moins deux ans de boulot pour pouvoir construire et amener son attaque ici. Si ça n'avait pas été systémé comme, euh, comme dit Hurricane, il aurait, dit, il aurait ciblé autre chose. Euh, ah, Ben, je ne savais pas vu. Salut, Ben. Encore une fois, le truc est smart. Assez smart pour que quelqu'un ait introduit le code à un commit en ayant accès à la machine du mainteneur, par exemple. Il faut bien identifier ce qu'on sait et ce qu'on projette. Tout à fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On ne sait pas si c'est lui qu'il a fait ou si c'est euh, sa machine qui a été compromise. Euh, Backdoor XZ, c'est malin, il utilise dans plein d'autres projets. Oui, c'est assez malin, je suis assez d'accord. Et ce n'est pas un paquet qui est en lien avec la cryptographie, là. J'ai un serveur avec XZ qui tourne sur H Linux en X64 SSH ouvert sur le réseau global. Je devrais réinstaller le système selon toi. Est-ce que Jean... Alors c'est une bonne question. Est-ce que la version de la Lib sur Tadjin 2, c'est la 560, la 561. Sinon, si c'est pas le cas, aucun problème. Si c'est le cas, je me demanderai, en fonction de, 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 en fonction de euh, ce qu'il y a dessus. Il y a, ça se trouve, c'est un gars qui lui a remonté un truc compressé qui ne marchait pas, il l'a ajouté au test, c'est possible. Hein possible. Oui, on n'est pas sur le script, qui c'est une vraie, vraie attaque c'est que si le dev arrive dans la team et gagne la confiance de l'équipe, c'est que déjà l'ingénieur... Non, non, mais c'est ça, c'est une, une attaque euh, sophistiquée. Après, les machines perso derrière un ad de firewall, elles sont peut-être pas à gros risques. Non, elles sont pas à gros risques. Mais le serveur du petit magasin à qui tu donnes ton numéro de CB, fait... c'est plus ça qui me fait paniquer. Alors, Tréguy, le numéro de CB, tu as plus de risques que le mec, il le recopie pour lui, plutôt que ce soit ça. Parce que pour... tu peux pas... Tu ne dois pas... Enfin. Le, le, le stockage des numéros de CB se fait dans des conditions assez, euh, assez euh, précises. Ludo qui dit. Du coup, si je résume, le type push des bins pour tester des fonctionnalités, sauf que ces bins, ces binaires contiennent le code malicieux. Donc, dans le futur, si je maintiens un projet d'un outil de compression et que je dois tester des, des fichiers bin, il faut genre, être sûr que les bins de test soient générés par du random, par exemple, uniquement dans le pipeline et pas dans les commits. Alors, ouais, mais si tu utilises un outil de compression tu vas vouloir tester ton outil de compression avec des fichiers en particulier. Ces fichiers particuliers ne sont pas générés random C'est des fichiers qui posent problème. Donc, Arch a publié une 561-2 pour le correctif. S'il était insistant pour que son patch soit appliqué partout, exite le fait qu'il ne soit pas volontaire. non C'est plus probable. En regardant ça, de se dire, pas que ce soit le fait, de se dire, il était au courant de ce qui se passait, que, ce, que le plot des fichiers était fait dans le dos du mainteneur. Maintenant, si un attaquant a le contrôle de la machine du mainteneur et que le mainteneur, il est bâillonné dans le fond d'une cave. Voilà. Après, c'est peut-être pas lui, mais il a quand même poussé beaucoup pour faire. Non, mais voilà. Est-ce est que c'est -ce la, est la vraie personne ou est-ce qu'il est bâillonné dans le fond d'une cave euh... Avec une gégène devant lui. quoi. Voilà. Vous savez, euh, on sait quel compte a publié ça. On ne sait pas la personne qui a derrière le compte. Parce que la personne qui a derrière le compte, c'était peut-être quelqu'un de très bien, mais euh, qui a chiffré ses disques et tout ça. Mais, 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 n'oubliez pas le XKCD euh, numéro 538 qui nous dit dans l'imagination d'un crypto son euh, laptop est chiffré on va construire un euh, cluster de millions de dollars pour le casser à ah, zut il utilise du 4096 bits RSA zut notre plan euh, forêt. alors que dans la réalité son laptop est chiffré on va le droguer lui taper dessus avec cette clé à molette à 5 dollars jusqu'à ce qu'il nous donne le mot de passe alors sais pas celui que je veux faire. Aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas dans quelle situation c'est. C'est son compte. Voilà. Euh... La préférence, aussi dit euh, complètement, sy système D, je ne l'aime pas, mais là, il est hors de cause de ce que je comprends. Ah oui, non, mais c'est. C'est euh, comme si tu disais euh, c'est de la faute du kernel Linux, parce que sans carnet Linux, ça ne marche pas. Oui Oui Mais ce n'est pas de la faute du carnet Linux. Euh, pop, 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 pop. Après parti du principe que toutes vos machines sont peuvent être exploitées sur le net, air de config réseau, compromission de machine voisine, je suis assez d'accord. Euh, soit c'est lui, soit il est en train de sécher dans un placard euh, et un mec d'agence a pris la main. Un pote qui bosse en sécurité m'a dit il n'y a pas longtemps que des attaques que lui a vu viennent d'une machine physique de dev non verrouillée. Ah c'est intéressant ça. Bonne Blockmotion. Euh, merci en tout cas pour la news que je n'avais pas vu passer, tu m'as fait économiser pas mal de temps de recherche. Ben, c'était l'idée, c'était vraiment l'idée. Si ça se trouve, ce mec n'existe même pas, si une agence derrière c'est possible, c'est possible. Potentiellement, il faut faire un repo à part pour les binaires de test qui n'est utilisé que dans un pipeline séparé qui ne sert pas à build de projet. Je suis assez d'accord. Euh, c'est mieux que le bugbuster du vendredi soir. Je viens de tomber sur ce tweet, nous dit Apolloc. Attends, je vais regarder ton tweet. Oui, mais on en a parlé dessus, là. On en a parlé. Ah, D'ailleurs, il y a un truc, il y a, il, y a, il y a un message qui est intéressant, que je n'avais pas vu. Je vais vous le mettre. Je vous le donc c'est du temps réel. Comme, alors, tout le monde n'était peut-être pas là quand j'ai lancé le live, mais euh, je n'ai pas... Ce n'est pas un live qui a pu être préparé. C'est du direct. Hein, je découvre avec vous. C'est un groupe de personnes, voire un acteur étatique, probablement la Chine. Oh, merci beaucoup Ouija pour ton euh, raid. Ouija, comment ça va Général, ça marche bien, checker de bureau pour attribuer. Ouais, mais bon, c'est... C'est arrivé à un de mes clients, sa famille prise en otage pour que le directeur ouvre l'usine et les coffres forts. Ah ben donc. Euh... Bonne nuit Yanux. Alors ici qu'est-ce que j'ai Vous allez apprécier la manière dont ils ont envoyé le fichier objet euh, backdoré. doré. Récapitule pour ceux qui sont arrivés un petit peu un petit peu après l'explication dans xz il y a un fichier de test, qui est un fichier binaire, qui est utilisé pour tester si la compression des compressions marche bien. Ce fichier-là, en réalité, est un fichier qui contient des données et qui va être incorporé dans la bibliothèque dans la situation euh, où euh, on télécharge le fichier tar du binaire, donc il a été incorporé dedans, ou si on le construit dans certaines conditions. Donc on a un fichier binaire qui fait partie de la distribution et qui est un fichier qui fait quelque chose qui n'est qui est pas prévu. Ouais, je vais dire ça comme ça. Et là, justement, le mec, il dit, ce fichier binaire, on va euh, apprécier la manière dont ils ont fourni le fichier euh, objet euh, bac qui, qui, qui contient la, les données. Ça a été ajouté comme données de test au code source. Et ensuite, on le DXZ, donc c'est un outil de compression, et on le DD, on l'envoie octet euh, par octet, fabriqué dans une façon assez particulière, ce qui permet d'alimenter un déobfuscateur qui a été écrit avec le langage Hawk et le résultat est à nouveau un xz. C'est ça qui est fait ici. Le fichier s'appelle voilà, il l'appelle voilà, fichier ELF 64 bits LSB, euh, etc. C'est pas mal, c'est pas mal. Je vous mets le lien vers ce, ce tweet là. Il est intéressant celui là. Euh, pop pop, pop, pop. C'est vraiment énorme. Je ne sais pas si les gens se rendent compte surtout l'intérieur actuel avec la maturité que l'on a euh, sur les SI. ouais, avec la conjoncture actuelle. Euh, alors, Chine ou pas Chine, je ne sais pas. Donc, une, certaines personnes disaient que c'était la Chine. Ça peut, ça peut également venir euh, d'autres euh, euh, acteurs. Euh, sans problème, n'oubliez pas qu'il y a des conflits pas très loin de chez nous. Euh, ça peut alimenter tout ça. On ne sait pas. Faire de l'attribution en sécurité, c'est de toute façon tellement casse-gueule que pour le moment euh, on va, va s'abstenir de faire de, de l'attribution, de dire c'est euh, un, un tel ou un tel. Hein. C on va, va s'abstenir, parce que vraiment c'est compliqué de, de le dire. Penancez de la gérance économique était non et non, mais complètement. Il faut être prudent de ne pas faire d'attribution complètement, parce que c'est facile euh... derrière. Alors, il y a quand même deux, trois trucs. Euh... En vrai, peu importe, il y a beaucoup de facteurs qu'on ne connaît pas. <coughs> Et pas qu'à la poste. Bravo. Euh... Bon, c'est une grosse faille qui est importante, qui inquiète beaucoup, parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on surveille beaucoup de choses. Provenant de ce type-là, puisque a priori, euh, il y a un problème par rapport à son compte. Mais, il y a également, si on veut se poser la question de, 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 de la complexité de l'attaque, qui est quand même pas mal, social engineering, euh, incorporer le, 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 le projet pendant deux ans, etc. Il y en a certains qui ont, qui ont cité le truc. Ce genre d'attaque, et d'ailleurs les attaques très complexes, qui, mettent en compte, qui prennent en compte plein d'éléments, nécessitent euh, des compétences importantes, souvent pas avec une seule personne, mais avec plusieurs personnes qui vont travailler de concert pour construire une attaque, une backdoor, etc., pour la faire incorporer dans des projets, pour pouvoir l'exploiter ensuite euh, derrière. Qui a les moyens de faire ça ben notamment dans les gens qui ont les moyens de faire ça, il y a certains États. Euh, et les États, euh, c'est pour ça qu'on qu les États ont des moyens qui peuvent être très, très, très importants. Et le niveau de sophistication des attaques les rend quelquefois totalement invisibles. Alors il y a des entreprises privées qui le font aussi, mais euh, on va dire dans les, les, les organisations qui ont le plus de moyens pour construire une attaque, pour construire quelque chose. Euh, une bague d'or pour construire l'exploitation d'une faille, etc. Les plus complexes qui font ça, euh, ce sont bah, typiquement euh, des États. Donc, il est possible que ce soit un État, ce n'est pas à exclure. On ne va pas faire d'enquête, ce n'est pas notre boulot, mais euh, c'est totalement, euh, totalement euh, possible. En fait, une personne sur GitHub peut être deux personnes, voire un pays, complètement. Alors, il y, y avait un vieux truc qui est euh, euh, une, une vieille image. Je vais essayer de te la retrouver, même si c'est pas plus tout à fait vrai. Une vieille image euh, qui est merde, qui est très célèbre. Oh tiens, elle est même sur Wikipédia. Elle est tellement célèbre qu'elle est sur Wikipédia. Et carrément, elle a même une, sa page Wikipédia cette image-là. On the internet, nobody knows your dog. C'était cette image-là en 1993, publiée dans le New Yorker. En 93. Hein sur l'Internet, personne ne sait que tu es un chien. Et je trouve que ça s'applique bien ici, ça s'applique bien. Euh... Voilà Et exactement, bibi, euh... Bibi. personne ne sait que je suis un chien sur l'Internet. Ça résume bien. Si tu prêtes des clés à tout le monde, tu peux être tout le monde. Je serais assez intéressé qu'on trouve dans le futur euh, des réponses à ça, mais à mon avis, on n'en aura pas beaucoup. Hein. À mon avis, on n'en aura pas beaucoup. Voilà. Voilà ce qu'on sait. Et euh, soyez prudents. Regardez bien vos systèmes. Euh, week-end Pascal égale euh, week-end où il y a des supports qui ne vont pas être très présents. On sait que Yves est une marionnette animée par Tokyo. Voilà. <laughs> exactement. Exactement. Quoi, c'est un chien chinois du FBI qui a fait le coup. Voilà, t'as tout bien résumé. Ah oui, comme c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui. Non, ça c'est autre chose, effectivement, euh, Carso. Euh, bon, merci pour l'info. J'ai envoyé quelques mails. Ben, bah, tant mieux, tant mieux. Alors, euh, c'est chaud à faire comme live. Hein, vous pas, euh, je vous le dis pas. Je vous, vous dis pas c'est chaud à faire comme live parce que euh, pff, moi je suis arrivé dans le truc, j'avais euh, trois messages. Euh, j'ai vu les pistes de départ, très bonnes infos de la part de Cyril qui m'ont permis déjà d'aller tout de suite à l'essentiel. Mais, euh, mais voilà. Alors, en gros, euh, c'est compliqué de dire si c'est important pour vous ou pas. Si vous avez un système qui utilise des versions, des pré-versions, des distributions courantes, quand je dis distribution courante, c'est Red Hat et ses dérivés, Debian et ses dérivés. Euh, SUS et ses dérivés. Si vous avez des versions, des pré-versions ou des versions pour SUS en rolling release, attention, il y a un risque. Pour les autres versions, pour le moment, en ce qui concerne cette faille précise, ça va. Euh, merci beaucoup d'avoir bousculé ton planning pour traiter de l'actualité. Bah, oh, je comptais installer un Proxmox ce soir, tu vois. Donc, euh, mais bon. Enfin, euh, pas l'installer un Proxmox. J'ai plus d'images. Ah, voilà. J'ai tapé sur mon bureau... J'ai débranché le câble HDMI. Euh, Vas-y, tu redémarres. Voilà. Euh, non, j'avais prévu de. J'avais un serveur Proxmox qui est installé sur de clé USB et puis euh, la clé USB est morte. Donc, euh, du coup, il ne marche plus. Euh, donc, du coup, j'ai mis un SSD dedans à la place, dans un support de lecteur CD. Voilà. J'ai changé ça tout à l'heure. Je l'ai réinstallé et euh, ce que je voulais faire, c'était voir si je ne pouvais pas récupérer des VM qu'il y avait dessus et puis bah, faire mes comptes, etc. Pour le moment. Euh, pour le moment, ce n'est pas le cas. Euh, donc du coup, tant pis. <laughs> voilà, j'ai fait ça. Du coup, le vrai problème, excusez-moi. C'est est-il possible de mettre de la confiance dans du code euh, C'est non. Et la solution, c'est que euh, tout soit audité par le max. Et que tout soit audité par le max de contributeurs. C'est illusoire. Euh, pour moi, le fait de se dire que parce que c'est open source, c'est plus sûr, parce que potentiellement il y a des gens qui peuvent l'auditer, ce n'est pas la bonne approche. Parce que oui, n'importe qui peut l'auditer, mais si personne ne l'audite, le code, n'importe qui a la possibilité de l'auditer, n'importe qui a la possibilité, quand il a trouvé une faille, de la corriger, ça c'est un énorme avantage. Mais. On a vu par le passé, notamment je pense au projet OpenSSL qui contenait des bugs problématiques depuis des années, et tout le monde se disait, bah, le projet il est accessible en open source, donc n'importe qui peut l'auditer, donc il est sûr. Non, n'importe qui peut l'auditer, donc n'importe qui peut l'auditer. Il ne faut pas faire le raccourci. Quoi. Euh, parfois la technique a du bon, des fois oui. Vous inquiétez pas, les youtubeurs tech sensationnistes vont se jeter sur l'affaire et pourront bien spéculer dessus. Il faudra, faudra leur envoyer le, le, le replay du live. <coughs> en gros, c'est la guerre, non Pas plus que d'habitude. Condition d'activation de la backdoor, taper sur son. Bureau. Ouais, t'as vu, hein, c'est mon retour que j'avais plus. Parce que je surveille mon retour quand même. Euh... Sur le même thème, si vous avez vu le film Beekeeper, sachez que le fond du truc existe. Si vous regardez Marc Robert, il a fait une vidéo il y a plus d'un an sur des sociétés en Inde qui font ça tout le temps. Je n'ai pas regardé Beekeeper, donc je ne saurais pas le dire. Je vois cette marque de câble HDMI, j'ai la même. Voilà. On peut enchaîner sur un petit atelier de réinstallation de Proxmox, si tu veux, jusqu'au bout de la nuit. Alors moi, je suis rincé, hein, parce que là, voilà, moi, je suis. J'ai fait, euh, fait de, la, de la coupure de haie et puis euh, des euh, 60 au moins, non, j'exagère, je ne sais pas combien, mais des allers-retours entre. Euh, mon tas de, de, de compost et puis, euh, et puis ma haie, j'en ai fait une tonne des allers-retours avec la, avec la brouette. Je suis rincé. Je suis rincé. Je ne cite pas, mais si ton cerveau peut compléter cette façon, peut-être pas plus. Euh, ben, ah oui. Euh, Sécurité égale firewall, PKI, PIV. De toute façon. Alors Alexa qui nous dit quoi, savoir programmer c'est une chose, savoir auditer c'est autre chose. Un programmeur n'est pas un auditeur. On est bien d'accord. On est bien bien d'accord. Auditer open source ou pas, mais par des équipes diverses et plusieurs pays. En tout cas, on est d'accord, c'est compliqué. Euh, après OpenSSL, on ne pouvait pas dire que ce n'était pas audité. Le truc était bien caché. Alors, il euh, y en avait qui n'étaient pas hyper bien cachés, des problèmes. Hein. Alors, pour moi, pour, pour moi OpenSSL, c'est un exemple du genre. Comment expliquer le truc je ne l'ai pas vécu directement. J'ai travaillé avec deux types, euh, des potes. Euh, J'ai travaillé pendant quelques années avec eux, euh, que sont euh, Vincent Desfontaines et Eric Leblon. On a bossé ensemble dans la même boîte. Et eux, après, ils sont partis de, 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 de là, enfin, comme la boîte dans laquelle on était acculé. Et ils ont monté leur propre boîte qui a fait des choses autour de la sécurité. Et euh, le, 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 le truc qui m'avait... Pas mal surpris, c'est qu'en discutant avec Eric, il me disait que régulièrement, il tombait sur des bugs dans OpenSSL qui étaient des bugs à la con et qu'il fallait corriger. Alors des bugs à la con, pas que des bugs à la con, mais des bugs régulièrement et que la doc, elle n'était pas terrible et que le code, il fallait se plonger dedans et compagnie. Mais ça, c'était des années avant le, 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 la faille OpenSSL. Donc déjà, le code avait un historique sur OpenSSL qui n'était quand même pas terrible. Mais parce qu'il est open source, on supposait, c'est pas compliqué, open social, on a supposé que le code était bon. Euh, encore une bonne excuse pour les de Détester les devs. Un bug, ça peut se trouver une backdoor intentionnelle, c'est une autre paire de manches. Ça peut être beaucoup plus compliqué. Typiquement là, là le truc il est quand même bien planqué, quoi. Je me demande si en interne Microsoft, un backdoor d'une seule personne serait possible comme ça. En interne Microsoft, qu'est-ce que tu entends par là? Payé par qui Déjà c'est compliqué de trouver des contributeurs. Oui, mais voilà, c est, c est... Alors, les audits ils peuvent être faits par des États. Les audits ils peuvent être faits, commandés euh, par des gros éditeurs qui, eux, derrière, vont avoir besoin d'assurer un certain niveau de sécurité de leurs produits vis-à-vis -vis de leurs clients. Je pense notamment aux gros éditeurs commerciaux de distribution. Je parle bien des commerciaux. Hein. Euh, Donc, tu parles de la faille hard lead. Euh... Je me souviens plus, mais ouais, c'est pas ArtBleed. Si c'est ça, ça devait être ça. Me... C'est quoi, il y, a... il y a une dizaine d'années à peu près euh... Prenons les gros éditeurs commerciaux. Je parle bien des éditeurs commerciaux, parce que les éditeurs commerciaux, quand ils vont vendre leur distribution, que tu sois avec Red Hat, que tu sois avec Canonical, que tu sois avec Suze, que tu sois avec n'importe quel autre éditeur. Euh, je dirais euh, euh, commercial, puis d'ailleurs que tu sois également avec d'autres euh, outils, euh, c eux ils vont avoir un intérêt dans ce qu'ils construisent, que ce qu'ils construisent soit fiable. Et donc, du coup, eux ils vont avoir un intérêt avec l'argent qu'ils gagnent en euh, redistribuant, en packageant, en, en construisant un, une, une, un système d'exploitation avec ces outils-là, ils vont eux avoir un intérêt de s'assurer que certains outils, les outils de base, sont fiables. Et eux, c'est déjà arrivé, ils vont financer le, de, des audits de certaines parties du code. Après, il y a des organismes d'État, l'Annecy a financé également des audits de certains logiciels qui recommandent l'utilisation dans les administrations, encore une fois, parce qu'ils ont un intérêt de fiabilité. Mais ça reste de toute façon très très compliqué. XZ, j'ai jamais été fan de XZ pour d'autres raisons, euh, parce que l'algorithme la, euh, LZMA, euh, elle, il est... Il ne contient pas les mêmes mécanismes de protection que euh, BZIP2, par exemple. Euh, on va dire tu peux avoir de la corruption de fichiers non récupérables avec XZ que tu n'as pas forcément avec les autres, par exemple. C'est pour ça que je n'étais jamais hyper hyper fan. J'en demande, question bête, est-ce que ta chaîne a un serveur Discord Si c'est le cas, ça m'intéresse beaucoup. Oui, 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 on a un serveur Discord. On ne parle, parle pas que de sécurité. la sécurité, c'est euh, euh, assez, euh, assez ponctuel. Alors, attends, je vais déclencher le bot sur Twitch euh, et puis je vais reprendre le, 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 le lien. Voilà. Et je vais te poster ça tout de suite, euh, mon cher, euh, mon cher euh, Jean. Alors, hop, euh. Voilà. Euh... Je vous laisse passer une bonne soirée, bonne fin de live. Bonne, bonne nuit, mémoire morte, Ben. Mer, bonne nuit, Ben. Merci d'être passé. Passez un bon week-end, Pascal. Un bon exemple de non dit, c'est celui de CCHD de Debian. Il faut voir que Debian, ils ne euh, sont pas dans la même situation que les autres. Debian, c'est des volontaires. Ce a, pas, il y a pas, de, pas une distribution commerciale. C'est une distribution volontaire, euh, construite autour du Best Effort, qui est plutôt bien construite. Mais ce n'est pas des gens, ils ne sont pas spécialement payés pour développer dessus. Ils ne vont pas vendre leur distribution. Il n'y a pas de modèle économique autour. Le modèle économique, il est, euh, il, il est basé sur le volontariat plutôt. Euh... Je ne sais pas si tu l'as dit, mais comment ils ont trouvé la backdoor Ah, c'est un mec qui l'a trouvé un petit peu par hasard. Hein, avec, euh, Il constatait qu'il euh, avait des versions SSH, euh, de, de serveurs SSH qui mettaient beaucoup de temps et consommaient beaucoup de CPU. qu'on ne comprenait pas pourquoi. Il est parti là-dessus. Ah, ouais, ça m'est arrivé de trouver un truc dans la doc d'OpenSSL et de devoir aller lire le code pour trouver les options et les calls planqués. Non, mais voilà, c'était ça. L'Union Européenne a lancé un programme de bug bounty, je crois. Ouais, c'est possible. C'est possible. Euh... très Pareil, si tes gosses sont pris en otage, même contexte possible. Mais peut-être les équipes sont payées pour auditer le code. Ce qui est plus simple, s'il y a du budget. C'est qui c'est Pascal Ah c'est un, un, un vieux pote Alexia. Ça fait exprès cet artefact dans le retour des télé... Non, c'est pas fait exprès, c'est que mon adaptateur, c'est pas mon câble HDMI, c'est mon adaptateur, euh, parce que c'est un, un Mac mini qui est là, un vieux Mac mini. Vieux. Un Mac mini Intel qui est là, celui que j'avais eu à mon bureau euh, il y a 4 ans. Et l'adaptateur euh, USB-C HDMI, il est mort. C'est celui que j'utilisais en déplacement et il y a un faux contact dans le câble. Et t'as vu, ça fait des artefacts de temps en temps derrière, genre le... Voilà. Mais ça me permet d'avoir un retour. For IE in LS slash bin do LDD. grep LDD. Ouais, tu peux regarder, mais ça... Mais alors, c'est intéressant ce qu'il dit. Alors, Cater Sosé, il a posté une ligne de commande qui, en réalité, va... Nous afficher tous les programmes qui sont installés et qui font appel à cette bibliothèque LZLMA, euh, LZLMA, je ne sais plus comment elle s'appelle, bon, XZ, cette, cette bibliothèque-là, euh, qui, euh, donc du coup, pourrait potentiellement être modifiée dans leur comportement par une faille du même genre, pas par cette faille-là. La faille qu'on a vue là, N'agit que sur, open, que sur euh, SSH. La faille, la backdoor, pardon. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres backdoors qui sont présentes dedans, et qui agissent sur d'autres programmes. D'autant plus que, j'irai un cran plus loin qu'à Tersosé, euh, ici, SSHD n'utilise pas éléments de base. C'est dans la situation où on la colle. À système D, qu'on l'a fait communiquer avec Azedema, avec euh, avec, euh, avec système D. Mais encore une fois, euh, à mon avis, on pourrait l'utiliser également dans d'autres conditions. Si ça n'avait pas été système D, ça aurait été un autre outil. Hein, ce pas. Donc c'est plus compliqué que ça. Surtout que là, à la faille qu'on a vue, ça fonctionne vraiment dans. Elle, elle ne s'active que vraiment dans certaines conditions pour éviter le débugage. C'est pour ça que. Il y, a du... Il y a du niveau derrière. Hein. Il y a du niveau derrière. Merci pour toutes les infos. Je vous laisse. Pas. Écoutez, moi, de toute façon, je pense que je ne vais pas faire euh, très, très long également. Euh, parce que petit peu, petit peu de fatigue aussi. Euh, vous êtes encore bien nombreux. Hein. Vous êtes quasiment 130 là sur le live. Mais moi, je vais aller me reposer. Je suis rincé. Pouf euh, je vais aller. Euh... Je vais aller me reposer. Euh, avant ça, euh, on va regarder un petit truc. Hop, les gens qui sont en live sur Twitch, qu'on pourrait aller, euh, qu on pourrait aller euh, raid. Euh, ouais, je ne sais pas trop qui on pourrait aller raid. Euh, mais euh, je vais aller voir si les. Ah, il y a une page de pub. Si les chiens sont sages. Parce que les chiens ont fait une bêtise tout à l'heure. À dimanche, ou pas du coup Ah, oh, normalement, à dimanche. Normalement, un dimanche. C'est vrai que c'est le dimanche pascal, mais normalement, un dimanche. mon euh... l'attaque était bien pensée en amont. Ça, ça, ça. L'attaque a été très bien pensée en amont. Les chiens ont fait une bêtise euh, tout à l'heure. Euh, ils ont fait quoi C'est que les chiens sont allés ouvrir la porte de ma chambre où il y a les chats. Et j'entendais que ça. Mais ça grognait, mais c'était pas le même bruit que d'habitude. C'est normal, ils étaient une pièce plus loin. Et. Euh... Je suis arrivé, il y avait les deux chiens qui étaient sur le lit. Alors j'ai deux chats, vous connaissez, il y en a parmi vous qui connaissent Punk, mais j'ai Zia aussi qui elle est beaucoup plus timide, beaucoup plus réservée, on la voit pas beaucoup. Donc il y avait Zia qui était sur le lit entre les deux chiens et au-dessus du lit j'ai une étagère, il y avait Punk sur l'étagère qui essaie de donner des coups de patte sur les chiens pour protéger sa sœur. Et les chiens voulaient jouer. Ils ne sont pas méchants avec les chats. Vraiment, ils ne sont pas méchants avec les chats. Ils veulent jouer. Mais c'est des grosses brutes. quoi C'est un chien de 35 kg, un chien de, de, de 28 kg, avec, avec un chat de 4 kg 5 kilos et un chat de 6 kg. Mais ils ont ouvert la porte pour aller voir les, les chats. Donc, euh, bon, j'ai gueulé, et puis euh, ils sont sortis, et puis ils ont fait... Tu... Qui baisse la tête, qui met les oreilles comme ça, puis qui te regarde, faisant l'air Bah oui, mais c'était pas de ma faute, c'est les chats, ils ont ouvert la porte, et puis, euh, et puis euh, bah, du coup, je suis allé les voir, c'est pas ma faute, quoi. Voilà. C'était un petit peu ça. Alors, euh, chez qui on va raid, du coup euh, On peut peut-être aller raid. Il y a Nodus qui fait des trucs. On avait raid l'autre jour. Il euh, y a Shakawa. Bah écoutez, hein, euh, je proposais de raid Nodus. Parce qu'ils sont pas beaucoup. Et puis ça a l'air d'être sympa comme tout ce qu'elle fait. On a déjà raid Nodus une, une première fois par le passé. Ça c'est pour les gens qui sont... Sur Twitch, pour les gens qui sont sur, euh, euh, sur euh, YouTube. Euh, je vous retrouve là, et puis de toute façon, moi, je vais aller me, je vais aller me coucher. Donc, euh, moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end Pascal. Euh, vous allez retrouver Cyril, tout à fait, il est là-bas. Euh, moi, je vais me reposer. A priori, dimanche soir, a priori, parce qu'effectivement, j'ai oublié que c'était le week-end Pascal. A priori, je vais faire un live. Voilà, on va continuer dans nos petits lives. Peut-être que ça sera un live hors série, parce qu'il y aura peut-être moins de monde, on va peut-être jouer avec le Proxmox, je ne sais pas. Euh, mais en tout cas, moi, là, je vais aller faire dodo. Euh, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous dis à dimanche ou alors à vendredi prochain. Sujet bah, à définir, puisque le vendredi, c'est du papotage. Et puis, bah, bon euh, week-end, profitez bien. Allez, bye bye euh, sur Twitch. Et puis pour les gens qui sont encore là et les gens qui sont encore sur YouTube, je vous souhaite à tous également un excellent week-end. Et puis bah, je vous dis à très vite, à dimanche, a priori, ou à vendredi prochain. Bye bye